Et que veut dire tout ceci? Pourquoi ne restes-tu pas à une seule place? Tu es toujours en mouvement. Hein? Pourquoi ne peux-tu pas me regarder dans les yeux? Voilà que tu es là, toujours en mouvement, comme une petite enfant, et tu t'attends à ce que je te suive partout. Et tu trouves ça normal? J'en ai vraiment marre là. Non mais ça veut dire quoi tout ça? Chérie, comment tu peux parler ainsi? Est-ce de ma faute que je suis dans cette condition? Oh non! C'est moi qui t'ai rendu aveugle. C'est ce que tu essaies de me dire, n'est-ce pas? Tu es vraiment méchante. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Non. Écoute-moi très bien. Ne me mets pas en colère plus que je ne le suis déjà. Oh, ma sœur. Félix. Lève-toi, oui. Désolé. Merci. Je suis désolé. Qu'est-ce qui s'est passé? S'il te plaît, aide-moi à rentrer en haut. D'accord, allons-y. Allons-y. Marche par ici. Oui, à gauche. Non, pas ici. Prends. Oui, vas-y comme ça. Je connais mieux ton mari. Et je ne veux pas me mêler de vos problèmes. Et tu sais que c'est lui qui prend en charge mes études. Et je suis maintenant là pour toi, ma soeur. Mais si je dois te rassurer d'une chose, c'est que je ferai vraiment de tout mon possible. Et je vais me rassurer que tu retrouves ta vue. Tu ne peux pas toujours demeurer comme ça. Ok? Merci. Merci beaucoup. Mais Félix, il y a beaucoup de choses qui m'ont arrivé que tu ne sais pas, puisque tu es tout le temps parti. Je sais, ma sœur. Je le sais. Mais j'aimerais que tu saches encore une chose, c'est que tu es jolie et encore très jeune. Donc tu n'es pas obligée de pleurer à tout moment. Apaise-toi, ok? En fait, tu sais, après la pluie, vient le beau temps. Alors, tu es la première fille de mon père et le seul espoir de notre famille. Et Dieu ne va jamais te laisser, ok?
Amen. Dieu va t'aider. Amen. 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 Je veux te ramener à l'intérieur. Je veux te ramener à l'intérieur, ok? Non, non, non. Ça va. Je veux rester ici. Je ne veux pas entrer là-bas avec toi. Je veux rester ici, dehors. Ma sœur, je dois partir à l'école. Je dois aller rencontrer mon superviseur pour savoir s'il a validé tous mes projets. Tu peux partir. Je suis bien ici. Tu peux partir. Félix, tu peux partir, ça va. Ma sœur. Félix, pas. Ma sœur. Pas, t'inquiète, je vais bien. Ma sœur, je suis maintenant prêt. Je dois partir. Je reviens bientôt. Ok, c'est bon. Prends très bien soin de toi, ok? Ma sœur, s'il te plaît, s'il recommence encore, ne réagis pas, ok? Et d'ailleurs, ne t'inquiète pas. Je reviens bientôt. Pas de problème. D'accord. Hey. Hey. Est-ce que tu sais danser? Oh oui, bien sûr. Tu sais, moi je danse beaucoup. Hey. Tu vas me faire du bien cette nuit bien et je vais te servir comme d'habitude. Oh sérieux, j'adore ça. Cette nuit, chérie, ça va chauffer, je te dis. Je vais te faire sérieux? Du bien. Tu me connais, non? Ah, tu auras la bonne sauce cette nuit, je te dis. Franchement, mon amour. J'espère que tu dis vrai. C'est la partie que j'adore. Mais ne pas si je m'avais promis, n'oublie pas. Bien sûr, ne t'en fais pas. Je ne fais jamais de promesses en bas. Je sais. Voilà pourquoi tu es un milliardaire. Je te connais. T'en fais pas. Je vais te couvrir d'argent par hey. Merci bébé. Merci bébé. Hey. Aujourd'hui, t'en auras beaucoup, chérie. Merci, bébé. Hey.
reconnu ça, non? Ah oui, je te connais depuis fort. Il n'y a pas un truc comme toi. C'est ça même ton nom. Oui, bébé. Ouais. C'est moi qui fais arriver les choses. Ouais. Je suis très fière de toi, mon nom. Oui, bébé. Hey. You fine? Hey. Allez. Hey. Rien que pour toi. Oh, en tout cas. Je ne partirai pas d'ici. Non. Mourir ici. Nous allons mourir ici. Je vais te faire du bien. Je suis à toi, bébé. Tu diras que je suis la meilleure. Ouais. Je te le dirai encore. Sois posé, bébé. Tu vas enfin découvrir ce qu'on appelle l'amour naturel et romantique. Oh, c'est vrai? Je suis impatiente de la vie. Ouais. Ah, non, c'est quelque part là-bas. Là, côté, oui. Ça, là-bas. Là. Papa Mbo. Oui, Dadio. Oui, mon bébé. Dadio, tu diras que je connais. Oui, yo. La suivante. Oui. Tu es toujours en mouvement comme d'habitude. Bienvenue. Pourquoi ne restes-tu pas assise? Es-tu accompagnée d'une personne? Pourquoi cette question? Hein? Bien, écoute-moi. Je vais maintenant dans ma chambre pour faire quelque chose de très important.
C'est une tâche importante et je ne souhaite vraiment pas être dérangé. Il est certainement accompagné d'une personne. J'ai senti l'odeur d'un parfum. D'un parfum qui n'est pas mon mari. Ah. Sérieusement, tu vas faire ça pendant combien de temps? Pendant combien de temps vas-tu faire ceci à cette femme aveugle, hein? Mais tu m'as dit que tu m'aimes. Tu dois prendre une décision. Mets-la hors de cette maison. Donne-moi juste quelques temps. Qu'est-ce qu'il y a? C'est toujours la même chose. Le temps, le temps, le temps. Je dois le faire jusqu'à quand? Pendant combien de temps? Écoute, un milliardaire comme toi ne mérite pas une femme aveugle dans sa maison. Ok, laisse-moi te poser une question. Et si alors un jour tes amis milliardaires organisaient une soirée avec leur femme, qu'est-ce que tu vas faire? Et si tu demandes de venir avec ta femme, vas-tu aller avec une femme aveugle? Ça, c'est vrai. Mm-hmm. J'avais une fête la semaine passée. Mm-hmm. Tu sais, un ami à moi m'avait invité. Il avait insisté à ce que chacun vienne avec sa femme. Et je n'avais pas pu aller avec Joe à cause de ceci. Tu vois, c'est ce que je suis en train de te dire. Mais là, hors de cette maison, tu ne mérites pas une femme aveugle. Hein? Pense à propos. Pense à propos. Chérie. Chérie. Oui. Chérie, je suis là. Es-tu avec quelqu'un? N'est-ce pas moi que tu es en train de toucher? Idioma, c'est quoi tout ceci? Pourquoi es-tu en train de te déranger comme ça? Je sens l'odeur d'un parfum féminin. Alors tu n'as sûrement pas un très bon odorat. Non. Je connais bien ton parfum. Ah. Ça ne sent pas comme ça. Il y a une femme dans cette chambre. N'exagère pas, je t'en prie. Ici. Je t'ai pourtant dit que je ne voulais pas être dérangée. Je suis convaincue qu'il y a une femme dans cette chambre. Mais quelle femme? Es-tu la seule que je puisse avoir? Chérie, tu as amené une autre femme dans ma maison. Jusqu'au... Idiot, m'arrête avec ça. Sur mon lit conjugal. Assez, arrête ça. Je sais ce Là, que tu n'arrêtes pas dit. De me faire mal. Mais si je réplique, tu diras que c'est de la violence faite à la femme. Je sais de quoi je parle. Tu ne sais pas de quoi tu parles. C'est une femme. Idioma, arrête avec une ça. Femme. Tu es en train de me faire mal, oh. Tu me triches avec une autre femme. Tu vois tout ce dont je te parle? Mets-la dehors. Je ne peux plus continuer ainsi, oh. Je ne peux plus. Très bien. Je ferai quelque chose pour ça. Maintenant, tu as parlé. Anayo, Dieu te punira. Mon Dieu te jugera. Mon Dieu te jugera pour tous les torts que tu me causes. Tu es très malin. Tu es un homme malin. Anayo, tu es très méchant. Tu es tellement méchant. Je sens ta présence. Je peux bien sentir ta présence. Écoute, je suis une femme. Je sais ce que les femmes utilisent. Je peux correctement sentir l'odeur de ton parfum. Je sens tes mouvements, même ta respiration.
seul qui a une femme ici. Je sais bien ce que mon mari utilise. Et ça, ce n'est pas son parfum. Y a-t-il une femme ici? Montre-toi. Pourquoi tu te laisses être utilisé? Pourquoi? Regarde ce que tu me fais. Ce que tu me fais subir. Une autre femme te le rendra. Une autre femme te le paiera. Attends. Tu es méchante. Idioma, Anayo. Qu'est-ce qui se passe? Anayo. Qu'est-ce Anayo. Que tu fais encore? Anayo. Dieu te le paiera. C'est de la faute de tes parents. Dieu te jugera, Anayo. Méchant. Anayo. Tu en paieras le pot cassé. Ma sœur, qu'est-ce qu'il y a encore? Pourquoi est-ce que tu pleures? C'est Anayo. Il a amené une demoiselle. Ils ont couché sur notre lit conjugal. Probablement, il a fait l'amour avec elle sur mon lit conjugal. Non! Non! Ça ne peut jamais être possible. Tout ceci doit s'arrêter. Félix, calme-toi. Tu ne peux pas entrer en bataille avec lui. N'oublie pas que tu es encore à l'université. Tu as encore besoin de son aide. Je veux que tu fasses semblant, comme si tu n'étais pas au courant de quoi que ce soit. Pour mon bien, s'il te plaît. Si tel était le cas, pourquoi est-ce qu'il trahit les règles du mariage? Pourquoi il n'est pas allé en dehors de cette maison? Pourquoi dormir avec une autre femme sur ton lit conjugal? Ok. Calme-toi, s'il te plaît. N'oublie pas que tu n'as pas encore fini tes études. Reste en dehors de ça. C'est un problème entre mari et femme. S'il te plaît. Ma sœur, arrête de pleurer, ok? Rappelle-toi que tu es le seul espoir de notre famille. Et le Dieu Tout-Puissant sera toujours avec toi. Essaye juste de te calmer. Tout ceci se passera bien. Ok? Ok. Bonjour, monsieur. Oh, Félix, comment vas-tu? Je vais bien, monsieur. Il y a un problème? Oui, monsieur. Ça concerne tous mes projets. Ils ont tous été approuvés. Oh, c'est parfait. Alors, quel est le sujet? Lutte contre l'obésité chez les femmes enceintes dans le gouvernement de notre communauté et ailleurs. Non, ça, c'est la bonne. Très bien, ça. Félicitations. Mais, monsieur, nous avons besoin d'argent pour réaliser le projet. Vous savez, en tant qu'étudiant en médecine, il nous faut des recherches approfondies et beaucoup de matériel. Oui, c'est vrai, c'est vraiment important. Oui, c'est vrai que ça demande beaucoup de matériel, mais
Je n'ai pas d'argent. Je crois que ta sœur pourrait se charger de ça. Ma sœur? Ouais. Ne peut-elle pas? Comment? Je ne sais quoi dire. Pourquoi il a vraiment changé? Hier, il a ramené une autre femme dans cette maison. Et aujourd'hui, l'homme qui n'a jamais refusé de m'aider, il dit qu'il n'a pas d'argent pour payer ce qu'il a toujours payé il y a aujourd'hui 5 ans. Anayo est un coureur de jupons. Mais jusqu'au point d'amener une femme à la maison. Je crois qu'il commence à se lasser de moi. C'est juste à cause de ta situation? Quoi d'autre? Chérie. Idioma, qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi dormir, non? S'il te plaît. Je te prie, pardon. Qu'est-ce que c'est qu'il ne puisse attendre jusqu'au matin, hein? Prête-moi juste tes oreilles. Vas-y, parle, je t'écoute. S'il te plaît. Je crois que c'est le meilleur moment pour une femme de parler avec son mari. Mes oreilles sont ouvertes. Je t'écoute. Je ne sais pas en quoi je t'ai offensée. S'il te plaît. Si je t'ai offensée quelque part, pardonne-moi. C'est la première fois pour toi d'amener une femme à la maison. Pardon. Si je fais quelque chose de mal, qui t'a poussé à agir ainsi, je te prie de me pardonner. L'argent du projet de Félix, où est-ce que tu en es? Il m'a dit que tu as refusé de lui apporter de l'aide comme tu l'as toujours fait. Si c'est de ma faute, je te prie, pardon. Trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Je te supplie. En premier lieu, je n'ai pas fait entrer une autre femme dans notre chambre. Je pense que tu commences à entendre des voix et à halluciner. Et ça, c'est vraiment tant pis pour toi. Et deuxièmement, tu es au courant que je commande des marchandises en dehors de ce pays. Tu sais également que je mise tout mon argent dedans. Et cet argent ne suffira pas pour financer le projet de Félix. Et c'est comme ça. Puis-je dormir maintenant? Chérie, qu'est-ce qui se passe? Chérie. Grande sœur, j'ai une histoire à te relater. Je ne sais même pas par où commencer, mais je vais quand même essayer. Et si tu veux vraiment savoir tout ce qui se passe, en fait, tout ce qui est amusant, cet homme dit toujours la vérité concernant la vie. Et à la fin de toute son histoire, tu finiras toujours par sourire. Tu comprends, non? Félix. Salut. Salut. Bon après-midi. Pardon. S'il vous plaît, Anayo est là.
Désolée. J'aimerais d'abord savoir qui tu es. Attends un instant. C'est quoi cette question mal polie? Peux-tu fermer ta bouche? Il t'a posé une simple question. Qui es-tu? Qu'est-ce qu'il y a de mal avec ça? Bien, si tu peux le savoir, c'est moi sa femme. Celui-ci est mon frère. Et toi, qui es-tu? C'est soit tu réponds, tu sors de ma parcelle. Ok, d'accord. Si tu veux le savoir, mon nom est Jennifer. Je suis l'amie d'Anayo. Quel genre d'ami es-tu? Hein? Oh, tu es déjà là? Ouais, vas-y, entre. Anayo. 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 Ma sœur, calme-toi. Ils sont déjà à l'intérieur. Va voir là où ils se sont installés. Va voir s'ils sont au salon de séjour. Félix, Félix, où sont-ils? On dirait qu'ils sont encore dans ta chambre. Ils sont à l'intérieur. Ah, non, assez. Assez. Non, 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 arrête non. Ça. Non, calme-toi, calme-toi. Non, n'y va pas. Ma soeur, n'y va pas. Non, calme-toi. Calme-toi, apaise-toi. Apaise-toi, ma soeur, n'y va pas. Non, non, calme-toi. Sois calme. Laisse-moi aller. Laisse-moi, Félix, laisse-moi. Oui, vous êtes vraiment éhonté. Mon Dieu vous jugera, vous jugera. Mon Dieu va me venger. Anayo, tu es très méchant. Tu es très méchant. Et tu me demanderas pardon un jour. Sache que je ne te pardonnerai jamais. Tu paieras le prix de ton péché. Non, non, ma soeur, s'il te plaît, je t'en supplie. Je t'en supplie. Ma soeur, s'il te plaît, essaye de te calmer, s'il te plaît. Rappelle-toi que tout ira mieux. Ma soeur, tout va s'arranger. Écoute, confie-toi à Dieu. C'est lui qui va te consoler, ok? Non, Félix, non, calme-toi, s'il te plaît, calme-toi. Pas dans ma chambre. Attends, non, s'il te pas plaît. Dans ma chambre, s'il te Félix. Plaît, calme-toi, n'y non, va pas là-bas, s'il te non. Plaît. Non, laisse-moi, s'il te plaît. Non, laisse-moi. Essaye de te calmer. Tu es tellement magnifique. Oh, merci beaucoup. Oh, bébé, oh, je dois rentrer à la maison. Oh, pourquoi tu dis ça, voyons? Est-ce à cause de ma femme? C'est vraiment une vraie trouble faite. Mais quoi qu'il en soit, merci infiniment d'être venu ici. Envoie-moi ton numéro de compte afin que je puisse t'envoyer quelque chose là-dedans. Quoi? Oh, Bibi! Merci beaucoup. Merci, chérie. Oh, Dieu. Bébé, tu sais quoi? C'est beaucoup. Mais non, voyons. C'est le moindre que je puisse faire. Tu sais, alors ne t'en fais surtout pas. Je vais te donner ton transport de 5 millions de negras. Oh, c'est pas vrai. Mais Bébé, c'est beaucoup d'argent. Oh, tu sais, je suis très généreux. J'aime bien partager ce que j'ai. Tu sais, ça ne me dérange jamais quand je fais ça, alors... Calme-toi, ne panique pas, ok? Vous ne vivrez jamais la paix dans vos vies telles que vous êtes là. Tu souffriras toute ta vie, sache-le. Puisque tu es venu mettre les troubles dans mon foyer, tu ne vivras pas la paix. Tu souffriras pour les torts que tu me causes. Tu viens entrer jusque dans ma chambre à coucher. Tu ne vivras pas la paix. Dieu se chargera de toi, Dieu se chargera de vous deux. Sachez que ma soeur, Dieu est juste, s'il te plaît, il entend les cris de malheureux. C'est bon, ma soeur, on peut partir. Partons d'ici. Partons. Félix, Félix. Euh,
Ma sœur. Félix. Je vais aller rendre visite à un ami. Je reviens tout de suite. Ok, tu peux partir, d'accord. Mais dépêche-toi. Il y a des okay. choses que tu dois faire pour moi. C'est bon, je reviens tout de suite. N'y traîne pas, oh. Qu'est-ce que tu essayes de faire? Qu'est-ce que tu as avec cette femme aveugle? N'essaye pas de faire un commentaire. C'est noir sur blanc qu'elle ne te convient pas. Chérie? 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 Oui? Chérie, tu es revenue avec une autre femme. Encore? Je connais ce parfum. Je le connais bien. Toi encore? Toi encore! Et toi, espèce de pas me laisser tranquille. Sur ma route. Oh. Tu n'es qu'une bonne à rien. Anayo! 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 Je n'en peux plus. Voyons. J'en ai marre. Vas-y, qu'est-ce que c'est? S'il te plaît, arrête de parler ainsi. Je t'en prie, calme-toi. Calme-toi, bébé. Me calmer? Oui. Anayo, ne me dis pas de me calmer. Anayo n'ose plus me dire de me calmer. Bien. La seule façon de résoudre ces problèmes, c'est de mettre cette sorcière aveugle hors de cette maison. Ok. Si c'est ce qui va te rendre heureux, alors... Dieu! Dieu! Tu sais, je te jure, je ne peux pas résister à ça. Tu sais que je t'ai surprise. Regarde ce que tu es en train de faire. C'est vraiment délicieux. Mm-hmm. Franchement, j'adore ça. Attends, comique. Tu es sûr que tu pourras finir cette assiette parce que j'ai... Mais d'où vient tout ceci? Tu sais comment Allez, je mange, mange. Non, non mange, mais attends, tu es sérieux? Tu vas en finir aujourd'hui, mange, mange. Non mais... Allez, arrête. Arrête un peu avec ce que tu es en train de faire. Encore? Anayo! Anayo! Anayo, toi et cette fille! Encore avec elle! Tu continues de vivre avec elle! Assez, ah. Trop, c'est trop! Tu vas maintenant quitter cette maison parce que j'en ai vraiment marre de toute cette honte! Pour qui tu te prends en bordel pour continuer de me foutre cette honte? Hein? Sauf que là, Anayo. Tu pars! Et immédiatement! J'en ai marre de toi! Anayo! Ça, c'est ma valise! Oh oui, bien sûr! Je peux bien le sentir! Qu'est-ce que ça fait là dehors? Tu vas t'en aller de cette maison et immédiatement. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Et toi également. Va à l'intérieur, récupère tes affaires. Vous partez de cette maison maintenant. S'il vous plaît. Laissez même pas, je ne veux rien entendre. Je s'il ne veux rien plaît. Entendre. S'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous en supplie. Nous n'avons personne, nous n'avons nulle je part où fous aller. Je complètement. Que vous n'ayez personne ou encore nulle part où aller. Je vais à l'intérieur, je vous donne que 5 minutes pour partir. Dépêchez-vous. Mais, messieurs... Regardez sa situation. Quoi, regardez sa situation, messieurs. Parce que je m'en bats les couilles. Anayo. 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 Ne te dérange pas, ok? Messieurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît, messieurs.
Nous n'avons nulle part où aller, monsieur. Nous n'avons personne, s'il vous plaît, monsieur. C'est fait. Es-tu contente maintenant? Waouh! Maintenant, tu as bien parlé, bébé. Maintenant, je veux te le donner. Te le donner comme tu l'as toujours désiré. Tu sais que j'adore ça. Attends. Il y a encore une chose que tu dois faire pour moi. Tu dois aller voir mes parents. Je veux que tu payes ma dot. Je veux que tu fasses tout ce qu'un homme peut faire. Je ne veux pas d'un mariage organisé. Je veux d'une chose simple avec ma famille restreinte. C'est ce que tu dois faire pour moi maintenant. Considère que c'est fait. C'est fait. C'est fait. Bébé, je vais t'emmener au paradis. Paradis? Les milliardaires. Sais-tu ce que tu vas faire maintenant? Je ne suis déjà plus ici, je te jure. Je me vois déjà en dehors d'ici. Je vais te le donner, bébé. Juste... Oh mon Dieu, où es-tu? Thank you.
ma soeur, laisse-moi aller chercher quelque chose. Comme ça, on va manger, ok? Est-ce que tu as l'argent sur toi? Moi non plus, je n'ai pas d'argent sur moi. Ne t'inquiète pas. J'ai quelque chose avec moi. C'est vrai? Oui, bien sûr. Je reviens. Ok. Ok. Tu sais, je te jure, je ne peux pas résister à ça. Tu en voulais, tu vas en finir aujourd'hui, monstre. Regarde ce que tu es en train de faire. C'est vraiment délicieux. Franchement, j'adore ça. Vraiment. Attends, tu es sûr que tu pourras finir cette assiette parce que je viens tous ici, franchement. Tu sais comment je mange, non? Non mais attends, tu es sérieuse? Tu vas manger. Non mais allez, arrête. Arrête un peu avec ce que tu es en train de faire là. Catch your dog, O dog, what a go, O
Chérie. Oui, bébé. Non, laisse-moi. Non, t'en fais pas, je vais te servir le déjeuner, ok? T'en fais pas. Laisse-moi faire. Chérie, mais laisse-moi faire, non? Ah! Chérie. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Messieurs. Doucement. Ah! Je ne vois plus, Doucement, vas-y, essaie d'ouvrir les yeux. Non. Non, ça ne peut pas être possible, ça. Aide-moi. C'est bon, ça va aller. Aide-moi, chérie, aide-moi. Délo. Viens par ici. Aide-moi. Messieurs, désolé de vous dire ceci. Ses yeux ont été endommagés par l'huile chaude. Elle ne pourra plus voir. Veuillez m'excuser. Ah, qu'est-ce qu'il y a encore, ma sœur? Tu es restée en train de pleurer. Écoute, cet homme ne mérite pas de voir tes larmes. Ne te dérange pas. Prends ceci, c'est pour toi. Vas-y, tiens-le bien. Je sais que tu vas l'apprécier. Pourquoi? Pourquoi cette souffrance? Tout va s'arranger, ok? Tiens, je l'ai déjà ouvert pour toi. C'est ouvert. Ok. Y a pas de souci. Dieu est juste. Y a pas de problème. Dieu voit. Ma sœur, arrête de pleurer, non? Tiens, les gâteaux et les jus, je n'ai pas faim. Ah, toi aussi. Je n'ai pas du tout faim. Je n'ai pas faim. Ma soeur, tu dois manger. Tu n'as pas mangé depuis.
Je t'en supplie, prends ceci. Anaïe, Anaïe, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi? Pourquoi? Anaïe, Anaïe. Qu'est-ce que je te fais de mal? Qu'est-ce que je te fais de mal? Qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Anaïe, Anaïe. Stella, c'est toi? Donc, après avoir détruit ma relation, maintenant tu es là, pensant que tu as ton propre homme, hein? Désolée, excuse-moi. Bébé, je t'en prie, ne la suis pas. Je ne la connais pas et je ne sais pas de quoi elle parle. Tu ne me connais pas? Je ne te connais pas. N'est-ce pas qu'elle est Stella? Oui. Eh bien, je la connais bien. Je t'en prie, ne suis pas cette fille. Elle est folle. C'est donc, tu penses que tu vas détruire ma relation? Elle est folle. Tu la connais pas. S'il vous plaît, madame, s'il vous plaît. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, je veux... Bébé, je ne sais pas de quoi elle parle. Elle est une folle. Laisse-moi. Écoute, aujourd'hui, hein, tu vas me sentir. Bébé, aujourd'hui, toi et moi. Crois-moi, je ne sais pas de quoi elle parle aujourd'hui. Tu vas me... Mon homme aujourd'hui. Stella. Toi, Stella. Aujourd'hui, tu vas voir aujourd'hui. Laisse-moi. Lâche-moi. Que veux-tu? Écoute, je suis vraiment désolée. Je suis désolée. Honnêtement, je ne connais pas cette fille. Je ne la connais pas. Arrête de me déranger. Je n'aurais jamais cru que tu es une fille de la rue. Bébé, je ne suis pas ce que tu dis. Je ne suis pas une fille de la rue. Pouvons-nous nous asseoir et en discuter calmement? Malheureusement, on ne peut pas se voir. Et puis, ne m'appelle plus. Plus jamais. Ah. Seigneur, cette fille croit qu'elle peut gâcher ma relation, c'est ça? Elle verra. Nous allons. Nous nous dirigeons où? Où est-ce que nous partons? Ma sœur. C'est s'il ça te plaît. La vie. C'est ça l'essence de la vie. Ma sœur, s'il te plaît, arrête.
faisons un peu d'effort pour marcher jusque-là. Hein? Il y a un hôtel de ce côté-là, ok? Hôtel? Qui va le payer? Je n'ai aucun fonds sur moi. Passer nuit à l'hôtel, hein? Comment est-ce possible? Comment allons-nous les payer? Dis-moi. Ne te dérange pas. J'ai un ami qui travaille là-bas. Je vais donc lui expliquer toutes choses. Et tu sais, à partir de là, on peut se préparer pour trouver un peu de moyens et retourner au village. C'est comme ça que ma vie s'achève. C'est comme ça que ma vie s'achève. Au village. Au village. Oh, mon oh Dieu. Ma soeur, arrête s'il te plaît. Dieu, tu vois, oh, tu vois, tu es témoin. Quel est mon péché, Dieu? Oh, s'il te plaît, ma soeur, arrête ça, non? Je prie ta grâce, Seigneur, aie pitié de moi. Fais-moi miséricorde. Excuse-moi, qui est-il? Je sais, moi, Collins. Collins Mandoyo, ton assistant à l'école. Collins? Oui, c'est bien moi, IJ. Collins, c'est bien toi? Oui. Il s'est passé quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon frère, c'est une histoire très triste. Très triste. Mon mari m'a chassé de la maison. De ma maison conjugale. Ma maison. Il m'a chassé de ma maison matrimoniale. Nous sommes dans le perdument. Nous ne savons où aller. Nous ne savons pas par où commencer. Nous n'avons pas d'argent. Je suis arrivée au bout. Oh non, je suis finie. IJ, ne dis ma pas vie ça. Est arrivée à sa fin. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Ok, viens avec moi. Viens, viens m'aider. Oui, viens, viens, viens. Lève-toi. Aide-la à se lever. Viens, viens, comme ça, oui, comme ça, viens. Non. Est-ce que tu vas bien? Non. Elle ne voit pas? Longue histoire vraiment triste. Mais comment on peut manquer de cœur comme ça? Je suis vraiment désolé pour ça. Dieu seul connaît. Ça, c'est mon histoire. Je dois commencer une vie d'une femme aveugle en tout et pour tout. Non, s'il te plaît, il ne faut pas dire ça. Dieu fera quelque chose de nouveau, ok? Bien, après mes études, j'ai voyagé pour eBay. Et j'ai eu à finir mon master là-bas. Et j'ai eu un bon travail. Je suis juste revenu ici au pays pour mettre en place quelque chose de petit.
Je compte rentrer très bientôt. Juste un petit business. Tu es béni. J'aurais souhaité voir ton visage alors que nous nous sommes revus. Je ne sais pas si je vais te reconnaître. Coli. IJ, écoute-moi bien. Tu ne dois pas t'inquiéter, tout ira bien. Arrête de pleurer. Ok? Vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas où on pouvait aller, n'eût été son aide. J'ai fini avec mon projet. Et déjà la semaine prochaine, je dois les défendre. Ces messieurs étaient un envoyé de Dieu. Oui. Il a toujours été un homme très gentil. Quand on était encore à l'école, il était mon assistant. À l'époque, j'étais la bidèle de notre classe. Et nous étions tellement rapprochés. Jusqu'au point où les gens nous croyaient être en couple alors qu'il ne m'a jamais proposé. Vraiment, il était un homme bien pour toi. Salut. Ah, bon après-midi, monsieur. Oui, comment vas-tu? Je vais bien. Je vais dans la chambre. Ton frère est intelligent, je l'apprécie beaucoup. Oui, juste comme toi. Il m'a dit qu'il a fini avec son projet. Merci beaucoup. Non, Dieu merci. Je suis là, je t'ai apporté ceci. Qu'est-ce que c'est? Ce sont de belles lunettes. Je veux que tu les aies toujours sur toi. Ça va te rendre encore plus belle. Comment ça? Nous allons juste voir. Bon, je vais t'aider à les porter, ok? Doucement. Doucement. Bien. Parfait. Elles sont jolies sur toi. Merci. Oui, viens là. Tout ira bien. Ok? Merci. Salut. Bonjour. En quoi puis-je t'aider? M'aider? Oh non. Tu ne peux pas m'aider. Je suis venue voir Anayo. Est-il là? Tu veux voir Anayo? Pourquoi? D'ailleurs, il n'est pas là. Si tu as une information pour lui, tu peux me la passer. Pourquoi? Tu demandes pourquoi? Sérieusement, tu n'es pas intelligente pour comprendre. Alors laisse-moi t'expliquer. C'est parce que je suis sa femme. Oh. Tu crois que je ne te connais pas? Oh, tu crois vraiment que je ne te connais pas? Tu es parmi celles avec qui il trimballait. Je lui avais donné la permission de le faire. Oh. Maintenant, tu me vois? Je me prépare de me marier avec lui. Dans peu de temps. Je suis chanceuse. Oh, tu es vraiment chanceuse, n'est-ce pas? Mais jusque-là, vous n'avez pas encore eu d'enfant. Alors? Sur ce coup-là, j'ai gagné. Parce que je suis enceinte de lui. La ferme, tu n'es qu'une folle. D'ailleurs, je suis enceinte de 2 mois. Qui? Et tu le cries aussi? Parce que tu es enceinte. Notre bébé est là et je sais qu'il sera un petit garçon. Arrête de te décevoir toi-même. Tu n'es qu'une mère porteuse, une pute. Tu vas mettre au monde ce bâtard
et tu vas rester dehors. Alors, libère-moi ces lieux. Dégage de ma parcelle. S'il revient, je veux lui dire. Alors, dégage d'ici. Ma chère, rassure-toi de lui transmettre le message. Mère juste porteuse. Au cas où, mon nom est Jennifer. Sors d'ici. Jennifer, la mère J'ai porteuse. Ouh, va-t'en, mère porteuse, Jennifer. Ne reviens plus jamais ici. Mon bébé, mère porteuse. Ne reviens plus jamais, mère porteuse. Va-t'en, bye. Quoi? Est-ce que c'est vrai? Hein? Salut mon bébé. Salut chérie. J'étais d'abord apporté ça. Oh. Voyons ça. Ok. Fais-moi voir. Et. Ok. Comment s'est passée ta journée aujourd'hui? Magnifique. Merci. Toi? Quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu es la meilleure chose qui ne me soit jamais arrivée. Je te jure. Ma vie était en morceaux. Mais tu y as apporté un peu de swag dans celle-ci. Merci. Tu peux le redire encore. D'ailleurs, tu mérites encore plus. tu m'as rappelé. Il y avait une jeune fille. En fait, c'était une jeune fille. Elle était venue te chercher. Je suis sûre qu'elle est parmi les filles avec qui tu sortais auparavant, tu vois. Ne t'a-t-elle pas donné son nom? Ça m'est égal. Oui, je crois qu'elle l'avait fait. Hein. Je crois qu'elle s'appelle... Jennifer. Jennifer, et qu'est-ce que tu lui as fait? Ne lui as-tu pas dit que tu étais en charge de ce ministère? Si seulement elle ose revenir ici, occupe-toi d'elle. Fais-lui savoir que tu t'occupes maintenant de ce ministère. Bien, crois-moi, je le ferai. Merci pour ça, chérie. Je ferai tout pour toi. Chérie, premièrement, est-ce que je peux avoir son numéro? Bien sûr. Donne-moi mon téléphone. Regarde, Jennifer offre. Ah, c'est quelle offre encore? Je l'ai rencontrée à une réunion d'offres d'emploi. Toi aussi. C'est pour ça que tu avais écrit son nom de la sorte, hein? Tu es ici maintenant. C'est toi qui t'occupes du palais. Ne t'en fais pas pour ça. C'est vrai. Ok. Jennifer va prendre son compte. Elle va voir. Regardez-moi bien cette photo. C'est cette dame que je désire. Alors faites très bien votre travail. C'est elle que tu veux. C'est un petit problème. Alors dis-nous un peu. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ôtez-lui la vie. Mais avant ça, j'aimerais d'abord la voir. Je veux qu'elle sache que c'est moi qui ai payé pour sa mort. La regarder dans les yeux et lui dire que tu as provoqué sa mort. C'est bien ça. Et si on parlait de nous maintenant? Oui, on doit le savoir avant de faire le travail. Ah oui. Alors, c'est comment pour notre argent? Oh, ce n'est pas un problème. Envoyez-moi votre numéro de compte. Je vous transférerai l'argent. Ok, là ce n'est pas un problème. J'ai confiance en vous, les gars. D'accord. Alors, j'ai eu à parler à mon ami, le médecin, aujourd'hui. Il m'a dit ceci, qu'il fera de son possible pour pouvoir nous aider dans cette situation. Et j'ai aussi eu à parler au médecin sur le rapport que nous lui avons envoyé. Et la bonne nouvelle est que... il a dit qu'il peut le faire. Non. C'est pas vrai. Je ne crois pas à mes oreilles. Oui. Ah! Où est ce docteur? Il est où ton docteur? J'ai hâte de le rencontrer. Je serais heureuse de retrouver ma vue. Où est-il? Nous devons bien nous préparer pour ça. Parce qu'il n'est venu ni ne travaille ici, mais il travaille en Suisse. Et c'est aussi là-bas que l'opération aura lieu.
Collins. Tu veux m'amener à l'étranger pour le traitement? Allez. Oui. J'aimerais aussi te dire que tu n'as pas besoin de t'inquiéter de quoi que ce soit. Collins, comment? Qu'est-ce que je te paierai en retour pour tout ce que tu as fait pour moi de bien? C'est bon, d'accord? Mon Dieu te bénira. Amen. Mon Dieu te bénira. C'est bon. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'est bon. Merci. Merci énormément. Dieu te fera énormément du bien. Ferme-la, ferme-la, avance. Lâchez-moi. Ferme-la. Ah, surtout tais-toi. Tais-toi. Allez, entre là-dedans. Lâchez-moi. Vas-y. Adam. Oui. Adam, viens. Oui, madame. Madame, je suis là. Nettoie-moi cette voiture, je sors avec. D'accord, madame, je vais le faire pour vous. Bien. Madame, je dois partir ou je dois rester? Es-tu fou? Va faire ce que je te demande de faire. Ok, ok, madame, merci. Allô? Allô? Ok, bien. J'arrive là. Envoyez-moi l'adresse. Arrange la voiture vite! Bébé? Bébé, tu sors? Oui, oui, je dois sortir. Mon patron vient à peine m'appeler. Je dois tout de suite aller au port. Mes marchandises viennent d'arriver. Waouh! C'est une bonne nouvelle! Oui, oui, bien sûr, c'est une bonne nouvelle. Oui, oui, ça fait vraiment très longtemps que j'attends ça. Il me mettait toujours en attente. Donc, tu sais ce que ça veut dire? Quoi? Plus d'argent en banque. Waouh! Tout ce que tu as toujours désiré sera sous tes pieds. Oh, mon Dieu! Oh! Je suis impatiente. Ok, je dois me dépêcher. Oh chérie, c'est pas grave, moi aussi je sors un peu. Mais laisse-moi te dire ceci, je ne traîne pas pour rentrer faire un bon dîner pour toi, mon roi. Je ne crois pas que j'aurai le temps de déjeuner. Parce que je crois que je rentrerai très tard la nuit. Donc le dîner me va, ok? Bonne journée à toi, merci, chérie. Chérie, toi aussi. Je suis une femme heureuse. Ouh! Wow! Ouh! Ah! Hé, hey, toi, ah, hein, tu es vraiment folle. Hé, qu'est-ce que tu penses, toi? Hé, hey, les gars, attendez, la ferme. Hé, hey, toi, qu'est-ce que tu veux dire? Les gars, je vous en prie, peu importe la somme que cette personne vous a payée, je vous donnerai les doubles. Hé, hey, toi, tu la fermes. Regarde-moi cette idiote. J'ai de l'argent, laissez-moi partir. Calme-toi, c'est la somme de 100 millions de naira, tu comprends ça? Alors dis-moi, est-ce que tu penses que tu vas vraiment le payer?
Tu blagues avec nous ou quoi? Tu penses qu'on est là pour... Tu penses qu'on est là pour blaguer? Je n'ai pas assez de somme. Te voilà, tu n'as même pas d'argent, mais tu cours derrière des hommes mariés et te voilà maintenant, tu es déjà enceinte. Et tu es même prête à voler le mari d'autrui. Je te jure, si tu ne donnes pas ces 100 millions, tu vas regretter ce qu'on va te faire. Écoutez, écoutez, cette fille veut blaguer avec nous. Tchaï, tchaï, cette fille veut blaguer avec nous. Mon cher, si elle pense qu'elle n'a pas d'argent, ce n'est pas tout. Hein. On peut même faire ceci. On le fera même par force. Mon cher, oui, attends, tu verras toi, oui. Les gars. Non, attends, attends. Reine-mère. Attendez d'abord, je vous en prie. Soyez calme. Vous allez la tuer. Mais avant de la tuer, j'aimerais que vous puissiez violer cette fille. Violez-la à mort. Est-ce que c'est compris? Bien sûr, oui, reine-mère. Maman. Donc, c'est toi qui es derrière ça? Je ne vais pas te supplier. Je ne le ferai pas. Mon esprit et l'esprit du bébé que je porte dans mon ventre va te juger. Ils vont te traumatiser jusqu'à la fin du temps. Hé, s'il te plaît, la ferme. Ferme cette sale chose que tu appelles bouche. Regarde celle-là. Elle dit qu'elle ne va pas me supplier. Et tu vas le faire à qui? Même si tu le fais, je ne t'écouterai pas. Je vais te tuer. Écoutez. Écoutez encore, elle dit que son esprit va me tourmenter. Quel esprit? Pauvre femme. Ton esprit m'est tourmenté. C'est ce que je veux faire à ton esprit. Je veux les tuer. Je te jure que je veux les tuer. Même dans la prochaine vie. Il va toujours mourir. Vas-y, mon cher. Allez, vas-y, satisfais tes besoins. Fais tes trucs comme tu veux, mon cher. Très bien. Allez, vas-y. Toi, tu commences en premier. Regarde-moi celle-là. Vas-y, mon cher. Allez, approche. Oui, oui, vas-y. Espèce d'imbécile insensé que tu es. Vas-y, tu vas mourir aujourd'hui. Odogwa Patago, mon incipendicien. Odogwa Patago, mon incipendicien. Aneliaku, Akwana Bawanye. Aneliaku, Akwana Bawanye. Casiego, money maker, money spender. What can you catch? Oh, you quego. Umumi and Kibia, on a make us a go. Uma Sabata, a lot of never. Multi Miloni. Hey, hey, hey. N'est-ce pas que c'est la victoire? Ça, c'est la victoire! Hey. Joey, y'a du money, Joey! Hey. Mais dans la prochaine vie, tu es déjà parti! Je te dis, franchement! Hey, 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 hey. La pauvre femme, IJ, ne t'a rien fait du tout. Et je n'ai rien à utiliser contre elle. Attends, écoute un peu ce que tu dis. Cette femme était un piège pour mon mariage. Alors elle devait être hors. Comment est-ce qu'une femme aveugle peut déranger ton mariage?
Si elle se comporte ainsi, c'est que c'est toi la méchante. S'il te plaît, je suis pas venue ici pour ton concert, tata, s'il te plaît, je t'en prie. Hein? Je suis venue ici pour un motif. Je t'ai dit que je veux qu'elle meure. Dis à ton Dieu de la tuer. Tue-la, hein? Écoute, je suis prête à tout te payer, je te dis, oh. Es-tu prête à payer 500 000? 500 000. C'est pour ça que tu parles de la sorte. Je te donnerai cet argent. T'inquiète, je suis là. Tu es là pour moi. Tu es là. Dis ton souhait. Tu as dit ce que je veux. Ijoma. 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 Meurs. Je dis que je veux ta mort, Ijoma. Et aujourd'hui, même. Meurs. Veuillez agréer ces sacrifices. Les dieux ont accepté. Tu vois, maintenant tu as bien parlé. Attends, je vais prendre mon sac, comme ça je vais te servir ce que tu demandais. C'est bon. Félix. Oui. C'est bien toi? C'est bien moi. S'il te plaît, amène-moi à la chambre. Je vais me reposer pour un moment. Ok, allons-y. Fais attention ici. Hein? Soulève le pied. Ok. Qu'est-ce
Qu'est-ce qui se passe? Je ne vois pas. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Je ne vois pas. Hey! Chérie! Bébé! Chérie! Chérie, oh! Qu'est-ce qu'il y a? Je ne vois pas! Chérie, s'il te plaît, dire je n'arrive pas à voir! Chérie, s'il te plaît, aide-moi! Adams! Chérie, je ne vois pas! S'il te plaît, aide-moi! Allez, allez, doucement, doucement, doucement! Chérie, mes yeux ne parviennent oui, plus patron. À moi! Oui, patron! Qu'est-ce qui lui est arrivé? Patron, je ne sais pas, je n'ai rien fait, je ne sais pas, je n'ai rien vu, bébé! Patron, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Doucement, doucement, doucement! Chérie, je ne sais plus voir. Chérie, aide-moi. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Comme je viens de dire, monsieur, ses yeux n'ont aucun problème. Tout semble être normal. Voici le résultat optique. Absolument tout semble être normal. Pourtant, elle ne voit pas. Ceci n'a pas l'air d'être un problème médical. Quel problème est-ce dans ce cas? Vous savez... spirituel? Hey! Hey! Mes ennemis! Mes ennemis ont réussi, oh! Qui est-ce que j'ai offensé? Dites-moi, c'est qui? Mes mains sont propres, oh! Hein? Je ne sais que faire, oh! Vas-y, assieds-toi. Oui, je viens de me changer. Je dois aller au shop pour acheter quelques trucs pour la maison. Tu es en train de sortir? Mm-hmm. Je ne serai pas long. Ok, s'il te plaît, reviens tôt. Bien sûr. Mm-hmm. Reste bien ici. Ne va pas n'importe où dans la maison. Tu risques de tomber, ok? Reviens vite. Oui, ne t'en fais pas. Surtout, prends très bien soin de toi, ok? Chérie, Dieu, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Est-ce à cause de mes péchés? Ou bien c'est à cause de ce que j'avais fait à IJ? Non! C'est les fruits de tous tes péchés! Tu m'as tué et l'innocent bébé que j'avais dans le ventre. Qui est-ce?
Qui est-ce? Jennifer, non. Non, ce n'est pas possible. Tu es morte. Je t'avais tuée. Je t'avais tuée. Et je t'avais promis de tuer ton esprit. Non, ce n'est pas toi. Je ne pense pas. Ça doit être un rêve. Je suis en train de rêver. C'est ça. Ça ne peut pas être toi. Ça ne peut pas être toi. Non. Non. Je le mérite. Je mérite Anayo, pas toi. Pas toi. Je t'avais tué. Je t'avais tué. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu mérites la mort. Tu mérites la mort. Ça doit être un rêve. Nous méritons tous ce que nous obtenons. Alors, savoure ton aveuglement. Non! 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 C'était un rêve. J'avais promis sa mort. Je vais tuer son esprit. Je mérite Anayo et pas toi. Et je ne méritais pas cet état. Je l'avais... J'avais bien dit. Ce n'est pas vrai. Je l'avais dit. Arrête. 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 Je l'avais dit. Je ne le mérite pas. Non, je t'avais promis. Je vais tuer ton esprit, je te l'avais promis. Elle mérite la mort. Bien, qu'est-ce que tu veux? Je ne m'attendais pas à ce que tu agisses ainsi. Je suis vraiment très déçu de toi. Un homme généreux et soudainement t'es devenu quelqu'un d'autre. Bon? Je viens juste te faire savoir que nous sommes en vie. Et on t'observe. Et... Le jour de la revanche a enfin sonné. As-tu fini avec ton cirque? Bouge de ma voiture. Si tu ne le fais pas, je vais te rouler dessus. Frappons ce mec, non? On doit le frapper, hein? C'est une vraie opportunité qu'on vient d'avoir là. On doit frapper ce gars. Non, 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 pas jusque-là. Pas jusque-là. Dis au motard de t'amener sur l'avenue... Dis au motard de t'amener sur l'avenue Fort Vita, fais vite. Oui, oui, oui. Ok, si tu entres, tu vas voir un portail noir. Toque sur ce portail. La sentinelle va t'ouvrir. Ok. Vas-y, mets-toi. Tu vas bien? Je veux bien. Comment se passer la journée? Oui, très bien. Je t'ai apporté quelques trucs. C'est vrai? Mm-hmm. Oh, merci. Ah, ah, c'est beaucoup. Oui, oui, chérie. Tout ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour moi-même? Oui, oui, chérie. Hé, c'est très gros. Doucement, chérie. Merci. Doucement, chérie. Ne t'en fais pas. Beaucoup. Ce n'est rien du tout. Chérie, ma soeur vient d'appeler. Ok. Elle est en route en train de venir okay. ici. Ok. Laisse-moi mettre tout ça à l'intérieur. Ok. D'accord, je reviens tout de suite. Merci. Mm-hmm. Si modo kwa uchela o meka si fe. Oui, c'est Adam. Tu n'entends pas quelqu'un toquer à la barrière? Va vite ouvrir le portail. C'est quoi ça avec toi, hein?
tellement longtemps. Je suis ravie de te voir. Dis-moi, comment tu vas? Soso, regarde-moi. Regarde-moi très bien. Je suis maintenant une femme aveugle. Regarde-moi. Ça va aller. C'est bon. Mon Dieu. Qu'est-ce que je fais? Va te juger. Qui est-ce que j'ai offensé? T'inquiète. Le Dieu que je sers va le punir. Ils seront punis. Amen. Il va le punir. Parce que ma Bible dit, les méchants ne resteront pas toujours en vie. Ils vont tous mourir. Qui est-ce que j'ai offensé, oh? Qui est-ce que j'ai offensé? C'est qui? Regarde-moi ta sœur. Ma sœur jolie. Obiageli. La chaude Obiageli est devenue aveugle. Maintenant, on m'appelle une femme aveugle. Regarde un peu, ma sœur, s'il te plaît. Non. C'est bon. Ça va aller. Non, pas j'étais ça. Très abattue quand j'avais appris que tu étais devenue aveugle. Oh. Allez. C'est bien. Mon Dieu va les juger. Ils seront jugés. Qui est-ce que j'ai offensé? C'est ça. Personne, oh. Personne. Je n'ai offensé personne. Dieu. Mais pourquoi ce malheur, mon Dieu? Ah non, pas juste. C'est bon. D'accord, c'est pas ça. Ils ne resteront pas suffit. Comme ça. Ça va aller, grand-sœur. Ça suffit, ma sœur. Ça va aller. Allons dans la maison. Entrons. Oui. S'il te plaît. Non, c'est... Ça fait mal. Allons à la maison. Ça ne fait rien. Ça va. Le Dieu juste. Je sais que Dieu est... Je sais. Oh, allons. Allons-y. Mon Dieu va les juger. Oui. J'ai confiance en lui. Je sais qu'il va faire quelque chose. Je sais qu'il va punir mes ennemis. Oh, je sais. J'ai confiance en mon Dieu. Yo, mama. Ana mazo ni beti sana kama mazo ni bemo karibu. Eza wani? Ona lumume. Mama mama kawa na mama na mama bade wao. Na kiri kana zifu na zifu. Na lumba sekeje mbasa, wato mbasa beje mbasa mbo. Na muri na bade kwenye mwanne ku. Eza wani ya kerendi. Ana na zumwa. Je t'avais prévenu, je t'avais dit Ichoma était protégée. Ce sont les dieux qui combattent pour elle. Et les dieux ont voulu que tu souffres de la même manière qu'elle a souffert. Au cas contraire, tu serais déjà une femme morte, et voilà. Akata, je ne peux plus continuer comme ça, non? Je ne saurais plus supporter cet état. Écoute, qu'est-ce qu'on peut faire pour apaiser les dieux? Parce que, s'il te plaît, je ne saurais plus rester dans cet état. C'est difficile pour moi. Hein? Parle aux dieux. Ezemoigne! Ezemoigne! Ha ha! Oh non, 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 non! Oh, c'est bon. Ça va t'écouter beaucoup d'argent. Si c'est l'argent, c'est une bonne chose alors. Il y aura une solution. L'argent, c'est rien. Donne le montant, je suis là. Je suis là, je veux te le donner. T'inquiète, je suis là. Hein? Est-ce que tu vas les payer? Ah, dis au Dieu que je veux payer. Ce n'est pas l'argent. J'ai besoin de reprendre mon sang. C'est combien pour que je paye? J'en ai vraiment besoin. 3 millions de naira. Hein? 3 millions? Hey! Ah non, ne dis pas ça, cette somme est très énorme. Ah non, c'est énorme. Où est-ce que je vais trouver cette somme d'argent? Pas un, pas deux, mais trois. Hey! Il n'y a pas de pitié pour toi, je t'avais prévenu, je t'avais dit. 3 millions de naira. Ha! Ha! C'est très énorme, oh. En tout cas, c'est très énorme. Moi, je n'ai pas cette somme d'argent. Dis donc, tu vas avoir une autre solution. J'en ai pas.
Où est-ce que je vais trouver cette somme d'argent, non? Même si j'avais dit que j'ai l'argent. J'en ai pas. C'est très énorme. En tout cas, parler d'une autre chose. Pas cette somme. Parce que je ne saurais pas le payer. C'est très énorme pour moi. Oh non. S'il te plaît, parle à tes dieux. Parle à tes dieux. Non! Je viens de te le dire. Va chercher l'argent. C'est la seule solution. Qu'est-ce que je veux faire? Hey. Allez. On y va doucement, ma sœur. Oui. Ma sœur, du fait qu'il y ait une solution, je te demanderai d'aller chercher de l'argent. Je n'ai pas cette somme d'argent. Hein? J'en ai pas, même pas dans mon compte. Où est-ce que je vais trouver cette somme d'argent? Sais-tu d'abord les montants? 3 millions, pas un, pas deux. 3 millions. Huh. Mais auprès des amis, tu peux en trouver, ou soit... Essaye de causer avec ton mari. Non, non, mon mari ne va pas me le donner. Non. Il va me demander la raison de cet argent. Qu'est-ce que je vais lui dire? Mais réfléchis, grande sœur. Chaque problème a toujours une solution. Réfléchis. Je ne comprends pas. Pardon. Allons-y, grand-sœur. Ma sœur, cette somme d'argent est très énorme. Tu sais, si c'était même 1 million, j'allais faire un effort de donner. Je sais, grand-sœur. Mais 3 millions, tu sais, même si je lui disais que l'argent n'est pas un problème, mais cette somme, je ne pourrais pas la donner. Essaie de te calmer. Je ne crois pas qu'il va me le donner. Je suis désolée. Merci beaucoup d'être venu ici. Eh bien... Bien, je... Laisse-moi trouver mes clés, ok? Un instant, je reviens tout de suite. Bon après-midi. Hein? Qui est-ce? Je ne sais pas. Je ne la connais pas. Qui es-tu et que fais-tu ici? Et tu dis bon après-midi. Qui es-tu? Hé! Hey. Viens, je crois que tu devrais partir. C'est quoi ça? Anayo? N'est-ce pas que c'est la voix de Anayo? Oui. Anayo, tu emmènes une autre femme dans notre maison, hein? Et toi, comment étais-tu arrivée ici? N'importe quoi. Hé! Hey. C'est la voix d'une oui, dame. Sœur. Anayo! Anayo! Hey! 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 C'est bon. Hey. Ça va aller, grande sœur. Hey. Je n'ai jamais su que ton mari était comme ça. C'est comme ça qu'il est. C'est comme ça qu'il se comporte toujours. Hey. Non, ça va. C'est bon, ça va aller. Allez, lève-toi. Mets-toi debout. Elle va me tuer. C'est bon, grande sœur, ça va aller. Lâche-moi, ne me touche pas. Je me demande aussi de me lever. Me lever pour faire quoi? Dis-moi ce que je veux faire en étant debout. Ma maison est en train de brûler. Ma maison se brûle. Et tu me demandes de me lever pour faire quoi? Pour m'asseoir où? M'asseoir où, dis-moi? Et sur ces chaises. Hein? Sur ces chaises sur lesquelles... Non, non. Anna est méchant. Dieu va le juger. Dieu va le juger. Ça va aller, grande sœur. Allez. Allez. Attends, Joe. Attends, oh. Je pense que tu as vu changer. Je ne sais pas pourquoi tu filmes encore. Allez, oublie-moi ça. Passons un peu à ce que... Attends, attends, attends. Est-ce que tu connais ce sigle? M-P-O-C. Maladie pulmonaire obstructive chronique. Ça, c'est vraiment un cancer. Et je ne veux pas que toi, mon ami, tu en souffres. Mais bon, c'est pas grave. Je ne peux pas accepter de mourir moi-même. Bro, à propos de ce dont on a parlé il n'y a pas longtemps, allons finir avec cet homme qui a complètement largué ta sœur.
le mari de ma grande sœur? Mais bien sûr. Ah, Joe, ça c'est une très bonne idée. Mais je pense qu'on doit encore attendre. Pourquoi? Pourquoi, bro? Pourquoi? Hein? Oui, je sais qu'il nous a chassés. Il nous a chassés de sa maison, oui. Mais ils ne sont pas encore divorcés. Légalement, il est toujours le mari de ma sœur. Attends un peu. Ah, c'est ma sœur. Allô? Ah, ma sœur. Bon après-midi. Comment tu vas? Oui, je veux bien. Comment va Collins? Ah, Dieu merci pour tout ce qu'il est en train de faire. Et c'est comment pour l'opération? Je crois que ça a bien marché. Waouh! Oh, attends! Waouh! Attends. Tu sais, tu reviens quel jour déjà? Demain? J'ai hâte de te revoir, ma soeur. J'ai hâte de te revoir. Ok, 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 bye bye. Joe! C'est quoi? Joe! Quoi? Quoi? Ma soeur peut maintenant voir. Quoi? L'opération s'est bien passée. Ceci demande une célébration. Je te jure, mon cher. Prenons du vin. Yes! Yes! Oh mon Dieu, je te rends grâce. Oh ouais. Je te dis merci, papa. Oui. Jéhovah, c'est toi notre seul espoir. Tchaï. Oh Seigneur, merci pour tes bienfaits. Waouh. Ma sœur peut maintenant voir. Ouais. Mon cher, mon cher. Allons à l'intérieur. Ouais, ouais. Allons-y. Célébrons, on va fêter ensemble, mon cher. Sonia, qu'est-ce que tu es en train de préparer? Les riz, messieurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Tu es complètement nue. Et puis demain, tu vas te plaindre d'être sexuellement agressée. Non mais franchement, c'est quoi ça? Vas-y, sors d'ici, habille-toi correctement. Tu emmènes ta nudité dans la maison d'autrui, puis tu t'attends à être respectée? Non, non mais cette fille, qu'est-ce que tu crois? Que je ne suis pas un humain? Demain, tu vas te plaindre en disant que... Hé, hey, ma chère, Dieu merci, tu as appelé. Hein? Dieu merci, tu as appelé. Ma sœur, c'est le travail de mes ennemis. Oui, parce que je ne connais pas quand est-ce que ça a commencé. C'est le travail de mes ennemis. Voilà pourquoi je te dis ça, mon ami. S'il te plaît, dis-lui, hein? Je demande ta faveur, je t'en prie. Oh? Mon mari et moi avons de l'estime pour toi. Oui, oui. Tu vois, c'est bien que tu sois arrivé. Parce que nous avons un petit problème à résoudre. Voilà. Voilà pourquoi nous demandons ton aide. En effet, emprunte-nous 3 millions. Nous allons rembourser, s'il te plaît. Cherche pour nous, même si toi tu n'en as pas. Cherche même chez quelqu'un que tu connais bien. Je te rassure, mon mari va te le rembourser dès que ces marchandises vont arriver. Il n'y a pas de problème. Hein? S'il te plaît, je t'en prie. S'il te plaît. Ok. Ok. Merci. Merci, oh. D'accord, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Je vais attendre ton appel, ok? Peu importe où, cherche, nous allons te le rembourser. D'accord, pas de souci. Ok. J'attends ton appel, oh. D'accord. Merci. Hey! 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 Obi! 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 Tu avais raison. Je prie juste que... elle puisse trouver cet argent pour moi. J'espère qu'elle va le faire, oh. Elle peut le faire. J'aurai cet argent. Je dois avoir cet argent. Et je vais tout faire pour le rembourser plus vite. Ce qui est important pour moi, c'est de recouvrir la vue. Obi, Obi. Hey! Obi, ça va marcher, oh. Hey!
Tu sais, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que tu as mangé au dîner? Du riz? Avec de la soupe? J'espère qu'avec ce garçon, il n'y a rien du tout entre vous. Ok, je te reverrai au même endroit, demain dans la journée. Oui. Moi aussi. Ça veut dire quoi toi aussi? Ça veut dire quoi toi aussi? Dis-lui que tu l'aimes, pas ce que tu as dit. As-tu peur de lui dire que tu l'aimes? C'est un garçon que je parle, bon sang. C'est un garçon? Bien sûr. Donne-moi le téléphone, je veux parler avec lui. Tijoke. Tijoke. Attends. Laisse-moi te dire ceci. Être aveugle ne veut pas dire être folle, oh. Hein? Laisse-moi te dire que tu n'es qu'un menteur et tricheur homme. Toi aussi. Tu n'arrives pas à parler à cause de bêtises que tu lui disais. Tu l'as toi aussi. Espèce de toi aussi. Écoute, je ne veux pas de problème, oh. Laisse-moi te demander. Qu'est-ce que tu comptes faire avec 3 millions? Hein? Oh, ça te choque, hein? Un style t'a appelé? Que je sois millionnaire, cela ne veut pas dire que je suis stupide, oh. Idiote. Hein, Anayo, ne change pas de sujet, s'il te plaît, tu es un tricheur. Tu es un tricheur. Ne change pas de sujet ici. Nous savons tous que tu parles à une femme et tu es là en train de me mentir. C'est à Tijoke qui je parle. Si c'est Tijoke, vas-y, appelle-moi. Comment ça me dérange? Je vais moi-même parler avec lui. Cette femme, elle va bien mourir celle-là. Attends, tu vas voir. Vous allez vous tuer vous deux. Espèce de toi aussi. Tricheur. Imbécile. Félix. Félix. Oh, soyez les bienvenus. Ma Félix. Soeur. Oh, mon Dieu. Maintenant, je suis rassuré. Sois la bienvenue. Merci. Messieurs, je dois te dire merci. Je serai toujours reconnaissant envers toi. Je rends grâce à Dieu. Car il t'a envoyé pour nous aider dans cette vie. Non, c'est bon, ok? C'est Dieu qui l'a rendu possible. Et c'est lui qu'il faut vraiment remercier. Amen. Okay? Ne dis pas plus. Chérie, on peut monter, s'il te plaît? Félix, prends la valise. Oui, okay? D'accord. Agada, je connais mon mari. Il ne va pas me donner cet argent. Hein? Je te jure, il ne va pas le faire. Que veux-tu que je fasse? Je veux que tu me donnes quelque chose pour que je sois en mesure de le contrôler. Ha 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 ha! Aisez-moi, le grand Dieu! Je comprends. Ton mari est puissant que tu ne peux l'imaginer. Ton mari est un esprit et non pas un humain. Ah. Fort. Anayo, l'homme que j'ai épousé, est fort. Je ne crois pas. Ce n'est pas vrai. Consulte encore les dieux. Hein? Demande-leur très bien. Anayo n'est pas fort, non? Quelqu'un que j'ai pu manipuler. Comment? Arrête, jeune femme. Tu risques de tomber à nouveau. Yeah. Baba, trouve quelque chose, hein? Trouve quelque chose pour moi. Ah, tu n'as pas besoin d'argent. Trouve-moi quelque chose pour que j'arrive à le contrôler. Si 3 millions, je n'ai pas pu, je vais trouver une autre somme. Hein? Si je commence à le contrôler maintenant, je te donnerai même plus de 3 millions. Donne-moi quelque chose. Oh non non! 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 Oh
Hein? Je ferai comme tu le demandes. Maintenant tu as parlé. J'ai confiance en toi. Hein? Si vraiment ça marche, je changerai cet endroit. Hein? Je vais construire un grand temple pour toi, sois à mes côtés. Ah, ça c'est une petite chose, non? Donne-moi juste. Prends ceci. Tu le mettras dans sa bière. J'ai confiance en toi. Tu verras le résultat dans les 24 heures qui suivent. J'ai confiance en toi. Voilà pourquoi je t'ai venu ici. Oublie mon aveuglement. Oh. Dès que je vais recouvrir ma vue, je changerai cet endroit. Tu n'as pas confiance en moi. Je le ferai. Tu as dit 24 heures. 24 heures qui suivent. Moi, je t'ai encore 12 heures de plus. Ben, moi, je m'en vais. Hein. On y va doucement. Oui, doucement. Oh, grande sœur, tu as l'air contente. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? T'inquiète. Allons à la maison, je le dirai. Ok, donc une bonne nouvelle. Allons-y. Oui, une bonne nouvelle. Allons-y. Oui, on y est. Descends. Oui, doucement. Oui. Tiens-moi. Ok. On y va. Oh, allez, mets-toi. Oui, doucement. Merci beaucoup. Oh. Grande sœur, as-tu besoin de quelque chose? Oui. Ok. Va là-bas au bar. Hein? Emmène-moi une bouteille de brandy. Oui. Et un verre, s'il te plaît. D'accord. Allez, je les ai, grande sœur. Qu'est-ce que je fais? Ok, dépose les verres et donne-moi la bouteille. D'accord. Merci. Dois-je ouvrir la bouteille pour toi? Je peux non. le faire. Va me prendre quelque chose à manger à l'intérieur, ok? D'accord. D'accord. Les riz? Oui, je t'apporte les riz. Le riz. D'accord. Sonia! Grande sœur! Es-tu dans la cuisine? Oui. D'accord, dépêche-toi, vite, vite, vite. Grande sœur, s'il te plaît, viens. Ok, d'accord. Je suis là. Tu m'as appelé. Oui. Après avoir réfléchi, je crois que je dois d'abord manger quelque chose. Ok. Ce n'est pas bien de commencer une journée avec brandy sans avoir mangé. Que je le remette à sa place. Oui, garde ça. Es-tu déjà en train de me servir la nourriture? Oui, déjà. Je te la porte dans peu de temps. D'accord, il n'y a pas de problème. C'est bien. Agada, ça va marcher. Odogwa Patago, mon espendicier. Odogwa Patago, mon espendicier. Anne Eliakou, Akwana Bawanye.
na bawanye anaya onye meka sego money maker money spender woke di catch o ji kwego umumi akibia ona meka sego uma sabata alata nebe Timilonia Anayo Importa Omeka Sego Onyo Newe Nabiko Wewea Onyo Nasa Alata Nebe Money Spender Moke Dikachi Odogu Odogwa Batago Obo Dedere Jim Omeka si fe Odogwa batago money spend this year Odogwa batago money spend this year Anele aku akwa na bawanye Anele aku akwa na bawanye Sego Money maker Money spender Woke di catch Oju kwego Umumi akibia Ona emeka sego Uma sabata Alata nebe Multimillionia Anayo Importa Omeka Sego Onyo Newe Nabiko Wewea Onyo Nasa Alata Nebe Money Spender Moke Dikachi Odogu Odogwa Batago Obo Dedere Jim Asimo Odogwa Uchela Omeka Sife Ça veut dire quoi tout ça? Je ne me souviens pas de vous avoir invité ici. Et qui est ce gars avec vous? Qu'est-ce qui se passe ici? Qui es-tu? Bon, écoute-toi bien. Si tu es venu ici pour t'excuser, ma chère, je ne suis pas intéressé, ne commence même pas. Bien, je suis venu récupérer mes documents dans la chambre de visiteur. Si cela ne te dérange pas. Bien, si cela peut t'intéresser, je ne supplie l'aveugle Ijoma.
Tanebe Monti Milonia Anayo Importa Oneka Siego Onyonewe Nabiko Weweya Onyonasa Ala Tanebe Money Spender Moke di Kacho Dogu Qui est là? C'est moi, grande sœur. Sonia? Oui? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Doucement. Tu veux descendre? Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais venue récupérer la bouteille qu'il avait laissée sur la table. Oh, c'était là? Oui. Est-ce qu'il a bu ça? Peut-être. Y a-t-il un problème? Non, il n'y a pas de problème. T'inquiète, ma chérie, vas-y, hein. Tu peux partir. Oh, mon Dieu. Je suis contente. Qu'est-ce que c'est, bébé? Tu n'es pas de bonne humeur. Je n'arrêtais pas de penser au business. Est-ce que quelqu'un t'a énervé? Si tel est le cas, juste oublie. Je suis là pour te rendre heureux. Je sais bien que ta femme est aveugle. Sûrement, c'est elle qui t'a énervé. Donc, essaye de l'oublier, ok? Et concentre-toi sur moi. Chérie? Oui? Chérie, qu'est-ce qui se passe ici? Tu es avec qui? Qu'est-ce que tu penses qui se passe ici? Hein? Tu es avec qui? Je t'avais dit, je me souviens de t'avoir dit que je voulais pas être dérangé. Hein? C'est quoi toutes ces questions? Hein? Chérie? Ça veut dire quoi? Tu as emmené une fille dans ma maison? Dans notre lit conjugal. Ok. N'était-ce pas de la même manière que tu venais ici, quand ma première femme était encore là? Hey! Anayo, tu es un homme éhonté. Tu es un homme éhonté, tu vas payer pour ça. Tu vas le payer, Anayo, je te dis. Tu n'es pas un bon homme, toi. Tu es méchant, Anayo. Hey, tu es vraiment un homme méchant. Tu n'es pas gentil. Et toi aussi. Oui, merci. Achao! Achao, comment? Et c'est des voleuses de mari d'autrui. Vas-tu si sortir tu avec un homme marié, je ne même vas-tu pas vas-tu sortir d'ici? Hein? Et tu viens jouer à la maison avec sa femme. Hein? Attends, je te maudis aujourd'hui. Tu vas mourir. Tu vas mourir, tu n'arrêtes pas de bruit. Tu fais beaucoup de bruit. Tu vas ne mourir. Reviens surtout pas ici. Attends. N'importe quoi. C'est quoi tout ce n'importe quoi? Pour qui est-ce que tu me prends au juste? Non, désolé. Ça va aller. Ok. Elle est juste une double fête. Calme-toi. Ça va aller. Allez. Rappelle-toi de ce que je t'avais dit. Je suis là pour te rendre heureux. Ok? Bébé, je suis là pour toi. Détends-toi. Il n'y a pas de problème. Dieu va te juger. Anayo, tu es un homme méchant. Dieu va te juger pour ce que tu m'as fait. Anayo. Anayo. Tu es vraiment méchant. Dieu va te punir. Alors, Dieu va te punir. Je te jure, tu verras. Pour ce que tu me fais, Anayo. Anayo, tu le paieras. Tu le paieras, Anayo. Je te dis, franchement, au nom de Dieu, Dieu va te punir, Anayo. Tu seras puni. Anayo, Dieu est juste. Attends, Anayo, tu feras attends. Anayo, tu es méchant, Anayo. Pour ce que tu m'as fait, tu le paieras. Oh mon Dieu, Anayo, méchant. Anayo, toi, tu feras ce que tu vas te faire.
Et toi, la femme, je te maudis aujourd'hui. Je te maudis, je te maudis, je te maudis. Tu vas souffrir. Tu souffriras dans ta vie, je te dis. Tu n'auras rien dans ta vie. Attends, tu verras. Obiageli? Obiageli? Tu t'en vas de cette maison. J'en ai marre, va-t'en. Toi, tu as essayé de me tuer? Moi, le millionnaire. Non. Moi qui suis friqué et rempli d'argent. Non, moi je n'ai rien fait. Hein? S'il te plaît, je ne sais rien. Tu pars de cette maison immédiatement. Je t'en prie, mon frère, écoute. Non, écoute, elle n'a rien fait. Attends, qui est ton frère? Qu'est-ce que tu as dit? N'essaie plus jamais de m'appeler par ce nom à nouveau. Maintenant, va voir vos parents. Dis-leur que ta sœur a essayé de me tuer. Hein? Dis-le à tes parents. Qu'ils ne se dérangent même pas de retourner la dot parce que j'en ai pas besoin. J'ai beaucoup d'argent. Tu comprends ça? Maintenant, partez d'ici. Non, non. Pitié, non. Allez-vous-en tout de suite. Ah, pitié. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Hey, mon Dieu. Hey, s'il te plaît, ouvre. Oh, mon Dieu, bien sûr. Mais qu'est-ce qui nous est arrivé? Ouvre. Ouvre, s'il te plaît. Non, ouvre. S'il te plaît. Oh, allez, ne t'en fais pas. Je promets, je ne vais plus le faire, ok? Mais sache, ma chérie, qu'en tout cas, c'est pour toi et toi seule. Non, 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 c'est juste que... bien, non. Vraiment? Non. Attends, attends, oui, c'est justement ça. Hein? Mais chérie, vraiment, c'était beau, hein, je te jure. Oh, c'est cool. C'est pourquoi tu le prends. Ça, non, tu mourras pas. Mais tu sais quoi? Attends, on va toaster. Bien, nous allons faire ceci. Je crois qu'on devrait commencer par du poisson. Mais... je sais que tu es gourmande. Ok, non. Ok. Non, 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 non. Non, mais ma bière se réchauffe, là. Qu'est-ce que tu me fais, là? Non, mais... Non, mais t'es sérieuse? Mais franchement, c'est vraiment très doux, hein? Très doux. Extrêmement doux. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, messieurs. Merci, je ne sais quoi dire. Mais quelle surprise! Joyeux anniversaire, mon chéri. Je crois que tu l'apprécies. Je serais un sorcier si je ne l'apprécie pas. Oh, c'est bien merci. Ton gâteau. Maintenant, c'est le temps pour toi oui. de découper. D'accord? Ok.
C'est vrai. Oui, c'est ce que je disais. Qui vous voulez voir, monsieur? Je veux voir ta madame. Qu'est-ce que tu fais ici? Et comment tu as repéré cet endroit? Je veux voir ma femme. Tu es vraiment amusant, toi. Qu'est-ce qui se passe-t-il? C'est qui à la porte? Madame, c'est l'un de soi-disant milliardaires que j'ai connu. Ok, il peut entrer. Anayo. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je suis désolé pour ce que je t'ai fait. Ah bon? Le riche Anayo, soudainement, tu te mets à genoux pour demander pardon à une pauvre femme comme moi? Ma sœur? Félix? Je vais aller rendre visite à un ami. Je reviens tout de suite. Ok. D'accord. Mais dépêche-toi, hein. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. D'accord, je reviens tout de suite. Ne prends pas beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi veux-tu m'arrêter? Pourquoi toujours la même chose? Pourquoi as-tu peur d'une femme aveugle? C'est quoi? Oh, laisse-moi tranquille. Chérie? Oui? Tu es venue avec une autre femme. Encore? Je me rappelle de l'odeur de ces parfums. Oui. Toi encore? Toi encore! Oh, femme aveugle, dégage sur ma route! Oh! C'est bien fait pour toi! Ah! Anayo! 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 Mon Dieu! Encore! Anayo, toi et cette fille. Encore. Franchement, j'en ai marre. Tu t'en vas tout de suite de cette maison, j'en ai vraiment marre de toute cette honte. Pour qui tu prends-tu, bordel, pour continuer de me filer la honte? Hein? Hey. Maintenant, tu t'en vas, immédiatement. J'en ai marre de toi. Anayo, sasse ma valise. Oh, oui, bien sûr, tu peux bien le sentir. Qu'est-ce que ça fait dehors? Tu t'en vas de cette maison et immédiatement. Monsieur, qu'est-ce qui se passe ici? Et toi également. Va à l'intérieur, prends tes affaires et va avec ta sœur maintenant. S'il vous plaît. N'essaie même pas, je ne veux rien entendre. Monsieur, s'il je vous plaît. Je ne veux rien entendre. S'il vous plaît, je vous en supplie, monsieur, s'il vous plaît. Nous n'avons personne, nous n'avons nulle part c'est où aller, ce que monsieur. Ça veut dire que vous n'avez personne et que vous n'avez nulle part où aller. Maintenant, s'il vous plaît. Si je vous revois ici dans 5 minutes, monsieur, vous n'aimerez pas ce que vous ferez. Regardez sa situation, quoi, monsieur. Sa condition? Dans cette condition, monsieur. Ma soeur, ça va? Ne te dérange pas. Tout ira mieux, ma soeur. Par où allons-nous commencer? Où est-ce que nous allons partir? Où est-ce que nous irons? Relève-toi, ça va aller, ok? Monsieur, je vous en prie. Je vous en prie, monsieur. Nous n'avons nulle part où aller, monsieur. Nous n'avons nulle part, monsieur, je vous en prie.
C'était juste le fait d'être riche. Je traverse des douleurs émotionnelles. Je veux que tu reviennes. Je t'en prie. Sois un homme, s'il te plaît, lève-toi. Non. Qu'il reste à genoux. Laisse-lui finir son scène. Comme un homme riche. Tu n'aurais pas dû venir ici. Je pense que ta sœur voulait humilier le monsieur qui était venu ici. Pas du tout. Vous n'avez aucune idée de ce que cet homme lui a fait subir. Mais vous savez, j'ai l'impression qu'elle ne nous a pas raconté toute l'histoire. C'est bon. Et je sais qu'elle est encore en colère. Il faut la laisser se calmer d'abord. Bien, Félix, je sais que tu es étudiant en médecine et que bientôt tu vas finir tes études. Je veux mettre en place un business. J'aimerais te laisser le gérer. Merci, monsieur. Il n'y a aucun problème. Vous êtes comme un sauveur pour nous. Et je peux faire n'importe quoi pour vous rendre heureux, monsieur. C'est bon, merci beaucoup vraiment. J'apprécie vraiment cela. Je veux juste que tu oublies absolument tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Anayu actuellement est le cadet de mes soucis en tout cas. Ce qui me concerne maintenant, c'est Chris. Quel est ton plan avec lui? Je ne sais pas encore, mais je l'aime. Je l'aime vraiment. Puisque tu l'aimes autant comme tu le dis, s'il te demandait ta main en mariage, je ne crois pas que tu devrais refuser. Je crois que vous êtes parfait. Merci beaucoup, Félix. Merci. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci, oh. On n'avait même pas l'argent sur nous. On était juste bloqués là. Mais vous nous avez sauvés. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci.
je crois que je connais cette fille. On dirait que j'ai déjà entendu cette voix. Sa voix me semble un peu familière. On dirait que nous nous sommes déjà vus. J'en suis certaine. Je crois qu'elle est une proche de la famille. Je pense que tu ferais mieux d'oublier tout ça. Cela pourrait être une mauvaise expérience. Essaye d'avancer avec ta vie. Tu as raison. C'est bon, avance avec ta vie. Qu'est-ce que c'est? Cette femme. Tu sais que sa voix me semble familière. C'est comme si je l'ai déjà écoutée quelque part. En tout cas, je ne me souviens plus. Grande sœur. Peux-tu m'expliquer comment est-ce qu'elle est, sa morphologie? Dis-moi un peu. Décris-la un peu, s'il te plaît. Je ne saurais pas. T'inquiète, tout ira bien. Allons-y. Pardon. Ok, c'est bon. Allez, doucement. S'il te plaît, décris-moi un peu son visage, non? T'inquiète, tu vas te rappeler d'elle. Ok, c'est bon. Qu'est-ce qui ne va pas avec ton humeur? Toujours en train de réfléchir? Baba, j'en ai marre. Ah, le pire est arrivé. Il m'a mis hors de sa maison. Où est-ce que je vais trouver cet argent? Où? Où est-ce que je vais le trouver? Fais quelque chose. J'en ai marre. Oh. Je suis désolé pour tout ça. Mais il y a du sang sur tes mains. Tu dois faire des sacrifices pour apaiser l'esprit de la vie que tu avais pris. Quel sacrifice? Si l'esprit te pardonne, alors tu as de la chance de voir à nouveau. Et tu dois rechercher la femme aveugle et demander son pardon. C'est seulement ça. Mais où est-ce que je vais la trouver, non? Où est-ce que je vais la trouver? Je ne vois même pas. Comment? Hein? Comment saurais-je que c'est elle? Où est-ce que je vais aller, s'il te plaît? Agada, s'il te plaît, je veux que tu fasses pour moi quelque chose. Hein? Consulte les dieux et dis-leur un peu. Hein? Dis-leur de me donner une orientation pour que j'aille. La chercher. Comme ça, ma sœur va m'aider à la retrouver. N'est-ce pas que ça sera mieux? Et je pourrai m'excuser. Femme, telle était ta tâche. Va maintenant chercher la femme. Baba, s'il te plaît, fais quelque chose.
Je connais ces parfums. Toi encore. Toi encore. Oh, femme aveugle, dégage sous ma direction. Tu as eu ce que tu mérites. Ah! Anayo. Oui. 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 Je le savais. Je le savais. Qu'est-ce qu'il y a? Cette fille que tu viens d'aider à peine, c'est à cause d'elle qu'Anayo m'avait chassée de la maison. Elle est la même fille que Anayo a amenée à la maison chez moi. C'est bien elle. Vraiment? Et maintenant elle est aveugle? Oui. Bien. Je pense que c'est ça sa portion de malédiction qu'elle a eue chez Anayo. Tu vois, Anayo, il est maudit. Je le savais. Je savais que cette voix m'est familier. Je savais que c'était la voix d'une personne qui fréquentait souvent ma maison. C'est bon. Tu vois, il ne faut pas continuer à penser à ces mêmes choses-là. Ok? Hey. Oublie ça. C'était la fille en question. Qu'est-ce qu'il y a, grande sœur? Chimo! Chimo! Mais qu'est-ce que tu as? Chimo, 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 Chimo! Parle-moi, s'il te plaît! La femme auprès de qui a gagné m'a demandé de m'excuser. C'est la femme que je t'avais dit l'autre fois, tu te rappelles, non? Que sa voix m'est familier. Oui. C'est la femme en question, oh! C'est la femme, oh! C'est elle que Agada m'a demandé de m'excuser auprès d'elle. Tu veux dire c'est merci elle, à ton mari? Oh. Oui, oui, sa femme. Mais la femme que j'ai vue n'était pas aveugle. Non, non, c'est l'ex-femme de Anayo. Elle était aveugle. Elle était aveugle. Celle-là, elle pas voit ça. Bien. Oui, la femme qui nous a aidés n'était pas aveugle. Pas du Et tout. Et tu sais que tu l'avais très bien regardée? Grande sœur, cette femme n'est pas aveugle. Comment ça? Dis-moi, comment ça? Hein? Nous devons la retrouver, nous devons la retrouver. S'il te plaît, c'est elle la solution à mon problème. Si et seulement si je la trouve. Ah, en tout cas, c'est vrai? Je serai bien ma sœur. S'il te plaît, aide-moi à la retrouver, je t'en prie. Je dois la retrouver, cette fille. Je dois la retrouver. S'il te plaît, okay. Aide-moi, allons-y. Retrouvons leur voiture, oh! Quelqu'un en train de frapper au portail. Laisse tomber. Je connais bien la personne. C'est Anayo. Je serai à l'intérieur. Mmh.
Ijoma, je sais très bien que tu es là. Toi, jeune homme, ouvre cette porte, laisse-moi parler avec ma femme. Ijoma, c'est moi. Parle-moi, je t'en prie. Je sais très bien que vous êtes à l'intérieur. Et que veut dire tout ceci? Pourquoi ne restes-tu pas une seule place? Tu es toujours en mouvement. Hein? Pourquoi ne peux-tu pas me regarder dans les yeux? Voilà que tu es là, toujours en mouvement, comme une petite enfant, et tu t'attends à ce que je te suive partout. Et tu trouves ça normal? J'en ai vraiment marre là. Non mais ça veut dire quoi tout ça? Chérie, comment tu peux dire de telles paroles? Hein? Est-ce de ma faute que je suis dans cette condition? Oh non! C'est moi qui t'ai rendu aveugle. C'est ce que tu essaies de me dire, n'est-ce pas? Tu es vraiment méchante. Non, ce n'est pas la faute de qui que ce soit. Ce n'est pas de notre faute. Et s'il te plaît. Écoute-moi très bien. Ne me mets pas en colère plus que je ne le suis déjà. Oh, ma sœur. Félix. Lève-toi, désolé. Lève-toi, oui, désolé. Je suis désolé. Qu'est-ce qui s'est passé? S'il te plaît, amène-moi de l'or. Je veux avoir de l'air frais. D'accord, allons-y. Allons-y. Marche par ici. Oui, à gauche. Non, pas ici. Prends. Oui, vas-y comme ça. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, monsieur. Merci, je ne sais quoi dire. Mais quelle surprise! Joyeux anniversaire, mon chéri. Je crois que tu l'apprécies. Je serai un sorcier si tu ne l'apprécies pas. C'est bien ton gâteau. Maintenant, c'est le temps pour toi de le couper. Oui. D'accord? Ok.
Agam, s'il te plaît, laisse-moi voir au gars, je t'en prie. Madame, je vous jure, le patron n'est pas là. Le patron n'est pas là, je vous jure. Je ne fais que protéger mon travail. Hein? Ma famille est trop loin de cette ville. Hein? Je vous en supplie, madame. Je t'en prie, sois compréhensif. Laisse-moi entrer. Hein? Pitié. Je peux vous laisser entrer, mais le patron n'est pas là. Et s'il revient et vous trouve à l'intérieur, j'aurai des problèmes. Adam, tu m'as oublié. Quand je donne la nourriture, s'il te plaît, permets-moi. Je t'en prie, ne me fais pas ça, s'il te plaît. Je t'en prie, papa. Hein? Madame, je sais, non, ce n'est pas de ma faute. Ce sont les instructions de la maison, madame. Le patron n'est pas là, madame. Prends la nourriture que je te donnais. S'il te plaît, ne fais pas ça. Au garde, ne peux changer d'avis, mais moi, je ne te chasserai jamais. Je pourrai encore te réengager. S'il te plaît, Adam. On sera juste dehors. On ne va pas entrer à la maison. Je t'en prie, ouvre-nous. Adam, s'il te plaît, non. Crains Dieu, s'il te plaît. Tu n'as pas la conscience. Madame, je sais, je connais. Madame, j'ai la conscience, non, madame. C'est le patron qui m'a engagé ici. Je peux perdre mon boulot n'importe comment. Si je vous laisse entrer, le patron va me chasser. Revenez après, je vais l'informer. Même si tu es dehors, moi je vais te réengager plus tard. Lorsque je vais retrouver ma vue, t'inquiète, Adam. S'il te plaît, fais ça pour moi, je t'en prie, non? Ah, oui, c'est Anayo. Fatiguée. Oui, c'est lui. C'est qui? C'est lui, grand sœur. C'est qui ça? Hein? Oh, c'est lui qui vient de passer. Il est en train de passer. Anayo. Il entre dans sa parcelle. Hein? Oui, Anayo. Grand sœur. Anayo, s'il te plaît. Du mal. Anayo, oh, ouvre le portail. Anayo, s'il te plaît. Anayo, s'il te plaît. Je t'en prie. Anayo. Anayo. Ou bien Geli. Je t'avais dit que je ne voulais plus te voir. Qu'est-ce que tu fiches encore ici? Anayo, s'il te plaît. Je sais que tu m'as mis dehors. Je ne suis pas venue ici pour ton pardon. Je veux que tu m'emmènes chez ta première femme. S'il te plaît, Anayo, aide-moi. Je dois lui demander pardon. Qu'est-ce que tu lui as fait au juste? Hein? Qu'est-ce que tu lui as fait au juste? Emmène-moi juste là-bas, s'il te plaît. Dès qu'on va arriver, je veux tout t'expliquer. Je t'en prie. Pitié. Hein? Reviens demain, je t'emmènerai là-bas. Mais après demain, ne reviens jamais ici. Merci beaucoup. Merci. On y va, grande sœur. Partons. Hein? On y va. Madame, deux femmes et le patron qui est venu l'autre fois. Laisse-le entrer. Toi, qu'est-ce que tu es venu faire chez moi? S'il te plaît, je suis désolée pour tout ce qui s'est passé. Je t'ai fait beaucoup de mal, mais je ne suis pas la cause de ton aveuglement. S'il te plaît, en là, ce n'est voyons. Pas moi. Voyons, je n'aime pas du tout quand tu parles de cette façon. Je t'en prie, calme-toi, bébé. Hein? Me calmer? Oui. Ne me demande pas de me calmer. Anayo ne me demande pas de me calmer. Bien. La seule façon de résoudre ces problèmes, c'est de chasser cet aveugle de cette maison. Ok. Si c'est bien ce qui va te rendre heureuse, je crois que... Après avoir intoxiqué Anayo pour te mettre hors de la maison, pour que je me marie à lui, je pensais que tu étais une barrière pour moi. Je voulais définitivement t'éliminer de cette vie. C'est alors que je t'ai devenu aveugle. S'il te plaît, aie pitié. Hein? C'est la seule solution pour que je retrouve ma vue. Je dois avoir ton pardon, s'il te plaît. Oui. Pardonne-moi, Anayo. S'il te plaît. Parle à ta femme. Je t'en prie. S'il te plaît, Anayo. Dis-lui de me pardonner. Je t'en prie, grande sœur. Anayo, s'il te plaît. Je t'en prie. Pardonne.
Je te demande pardon, pardon. Tu veux retrouver ta vue, n'est-ce pas? Oui, c'est ce qu'il a dit. Je dois avoir ton pardon. Oui. Ok, bien. Il n'y a pas de souci. C'est bon. Je t'ai pardonné. Anayo, ta femme est une bonne femme. Hé, hey, tu m'as pardonné? Oh, Dieu va te bénir. Jusqu'à quand allons-nous continuer à vivre ainsi? Jusqu'à quand allons-nous continuer à avoir peur de cette femme aveugle? Au fait, tu me dis toujours que tu m'aimes. Tu as une décision à prendre. Mets-la hors de cette maison. Donne-moi juste quelques temps. Qu'est-ce qu'il y a? Tant de temps, à tout moment seulement le temps. Tu veux que je te donne combien de temps? C'est jusqu'à quand? Écoute, un homme comme toi ne mérite pas une femme aveugle dans sa maison. Ok, laisse-moi te poser une question. Et si alors un jour tes amis milliardaires organisaient une fête et qu'ils te demandent de venir avec ta femme, qu'est-ce que tu vas donc faire? Vas-tu aller avec cette femme aveugle? Oh, ça c'est vrai? Mm-hmm. J'avais une fête la semaine passée. Mm-hmm. Tu sais, un ami à moi m'avait invité. Il avait insisté à ce que chacun vienne avec sa femme. Et je n'avais pas pu aller avec Joe à cause de ceci. Tu vois? C'est de ça que je suis en train de parler. Mets-la hors de cette maison. Tu ne mérites pas une femme aveugle. Hé, pense à propos. En tout cas, pense à propos. Essaye d'y réfléchir. Chérie! Chérie! Oui? Je suis là. Et tu as vu quelqu'un? N'est-ce pas moi que tu es en train de toucher? Idioma, c'est quoi tout ceci? Pourquoi es-tu en train de te déranger comme ça? Je sens l'odeur d'un parfum féminin. Alors tu n'as sûrement pas un très bon odorat. Non. Non, je connais ton parfum, ça ne sent pas comme ça. T'es sérieuse? Qui est là? N'exagère pas, je t'en prie. Je t'ai pourtant dit que je ne voulais pas être dérangée. Y a-t-il une femme dans cette chambre? Mais quelle femme? Es-tu la seule que je puisse avoir? Chérie, tu as amené une autre femme. Dans ma maison. Dans ma maison. Idioma, arrête avec ça. Sur mon lit. Assis, arrête ça. Là, tu n'arrêtes pas de me faire mal. Mais si je réplique, tu diras que c'est de la violence faite à la femme. Je sais ce que j'ai dit. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Il y a une femme dans cette chambre. Idioma, arrête avec ça. Il y a une femme ici. Tu es en train de me faire mal, oh. Tu as amené une femme. Tu vois tout ce dont je te parle? Mets-la dehors. Je peux plus continuer ainsi, oh. Je ne peux plus. Très bien. Je ferai quelque chose pour ça. Maintenant, tu as parlé. Anayo, Dieu te punira. Mon Dieu te jugera. Mon Dieu te jugera pour tous les torts que tu me causes. Tu es très malin. Tu es malin. Anayo, tu es très méchant. Tu es très méchant. Je sens ta présence. Écoute, je suis une femme et je connais tous les produits cosmétiques de femmes. Je peux bien sentir l'odeur de ton parfum. Oui, c'est bien toi. Je sais bien qu'il y a une femme ici. Je connais bien le parfum de mon mari. Ça, ce n'est pas son parfum.
Y a-t-il une femme ici? Pourquoi tu te laisses être utilisée? Pourquoi? Regarde les douleurs que tu me causes. Ce que tu es en train de me faire, c'est une autre femme qui te les rendra. Une autre femme te les rendra. Tu es tellement maligne. Idioma, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais encore? Anayo, tu paieras le prix de ton péché. C'est de la faute de tes parents. Tu subiras les conséquences des douleurs que tu me causes. Anayo, tu paieras le pot cassé de tout ce par quoi tu me fais passer. Hey, merci beaucoup. Je suis très contente. Tu es vraiment une très bonne femme. Je crois que tu devras attendre une autre année pour que mon pardon, c'est vrai ça, te soit accordé. C'est là peut-être que ta demande sera considérée. S'il te plaît, c'est beaucoup, non? S'il te plaît, c'est même 5 alors. Dieu. Même 5, c'est bon. Anayo, Anayo, aide-moi. Et s'il pour te toi, Anayo. Après avoir entendu sa confession, étant qu'humain, je ne peux pas te le refuser. Je te pardonne. Mais te revenir, je ne me vois pas en train de faire ça. Puisque je suis occupée. Et je suis déjà enceinte de lui. Je t'enverrai le papier de divorce. Ou encore, je te l'amènerai moi-même pour que tu le signes. Puisque c'est la seule chose dont j'ai besoin. C'est bon, on s'arrête là. Viens, on entre. On y va. Oh, pitié. S'il te plaît, pitié. S'il te plaît, c'est beaucoup. Oh, pitié, non, je ne serai pas. Mais même 5 ans, non, s'il te plaît. Reviens. Aide-moi, je pourrais. Je pourrais supporter 5 ans. Anayo. Anayo. S'il te plaît, fais comprendre. Ouvre cette porte! S'il te plaît, Anayo! Ouvre! Anayo, fais quelque chose pour mon moi! Dieu. Anayo, aide-moi! Salut, Collins! Oui, bonjour! J'étais en train de passer et j'ai vu ta voiture. Je me suis dit de m'arrêter et de te parler un peu. Ok, c'est bon. C'est à propos de Ijoma. Je sais que tu l'as aidé à recouvrir la vue. Ce qui est très bon de toi. Mais je l'aime toujours. Et je veux que tu me donnes un prix. Juste donne-moi un prix. D'accord? Je suis sûr que tu as entendu la confession. J'agissais sous un charme. Bien, je suis désolé, mais je ne peux vraiment rien faire pour l'instant. Elle t'a déjà pardonné. Et comme elle a dit, elle est engagée et enceinte de moi aussi. Je te conseille d'être un homme et continue avec ta vie. Il y a beaucoup d'autres femmes partout ailleurs. Alors tu peux t'en trouver une. Mais s'il te plaît, fais-nous la faveur de signer les papiers de divorce quand elle va envoyer. Collins, écoute. D'homme à homme, nous sommes en train de parler comme des hommes. Comment te sentirais-tu si ta femme se trouvait entre les mains d'un autre homme et un homme qui a beaucoup de moyens? Écoute, donne-moi juste le prix. Je l'accepterai même malgré la grossesse. Bien, comme j'ai déjà dit, il n'y a rien que je puisse faire. Si tu peux m'excuser, bonne journée à toi.
Ma soeur. Félix, comment tu vas? Je veux bien. Je t'ai allé voir mon avocat. Avocat? Oui. Pour la signature de divorce. Je veux mettre fin à ma relation avec Anayo de façon officielle. C'est très bien fait, grande sœur. Oui, c'est vraiment bien. Merci. Collins est là? Oui, il est à l'intérieur. Je vais acheter quelque chose dehors. Oui. Tu sais, je te jure, je ne peux pas résister à ça. Tu vas en finir. Regarde ce que tu es en train de faire. C'est vraiment délicieux. Franchement, j'adore ça. Attends. Tu es sûr que tu pourras finir cette assiette parce que... Qu'est-ce que tu crois que tu en voulais? Tu vas en finir. Tu sais comment je mange, non? Non mais attends, tu es sérieux? Allez, tiens. Non mais... Tu es vraiment... Tu es bizarre. Allez, arrête. Arrête de pas rester ton plein de terre. J'ai hâte d'être libre comme un oiseau. Dès que Anayo signe ses papiers, je serai tout à toi.
sans aucun embâche. Je le souhaite aussi. J'espère seulement qu'il ne va pas nous créer des problèmes pour signer ses papiers. Non, 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 il ne le fera pas. Non, pas du tout. Qu'est-ce qui te rassure autant? Viens ici, viens ici. Non, de ce côté. Non, de ce côté. S'il te plaît. D'accord. Oh, ouais. Oui, par ici, Marie. Ouvre le portail. Anayo, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Oui, ça va. Tu veux aller à l'intérieur? Oh non, merci. Nous allons rester ici. Oui. S'il te plaît, je veux que tu signes ces documents. Qu'est-ce que c'est? La lettre de divorce. Non, je ne le ferai pas. Pourquoi? Je connais mes droits. Et d'ailleurs, tu es encore ma femme. Anayo. Arrête de rêver. Je t'ai dit que je t'ai déjà pardonné, mais je ne serai plus jamais à toi. D'ailleurs, je suis fiancée. Et grosse en plus. Ce bébé sera mien une fois qu'il sera né. Alors arrête de rêver. Tu m'appartiens encore. Dis à ton garçon de me donner son numéro de compte afin que je lui envoie un peu d'argent. Nous n'avons pas besoin de ton argent. Vas-tu accepter de signer ces papiers ou pas? Je ne peux pas te parler car tu n'es qu'un trouble fait. C'est trop tard. C'est bon, chérie, rentre à la maison. Tu te crois assez maligne. Là, tu comprends que tu dois me supplier. Sorcier. Allons-y, mon amour. Anayo croit vraiment que je vais les revenir. Il croit que je suis folle. Il est vraiment orgueilleux. Je ne comprends pas pourquoi il parle toujours d'argent. Il pensait vraiment me corrompre avec son argent.
C'est parce qu'il croit qu'il est un milliardaire. Tu sais quoi? Il finira par signer ses papiers. Peu importe. Ok, allons-y. Ok, allons-y. Qu'est-ce qui s'est passé? A-t-il refusé de signer les bien papiers? Bien sûr qu'il a refusé. C'est fou qui veut nous importuner. Peux-tu imaginer? Il s'amuse vraiment. Exactement. Tu sais, il m'a vraiment fait croire qu'il a toujours envie de récupérer ta sœur. Même si elle est enceinte. Il m'a même dit que l'enfant sera son enfant à lui. Une fois qu'il va accoucher. Ma sœur, tu n'as pas à t'inquiéter. D'une manière ou d'une autre, il doit signer ses papiers. Oh, bien sûr que oui, il doit le signer. Il n'a pas une autre option. Il sera obligé de le faire. Je pense que tu as aussi du travail à faire. Va lui parler. Il faut que nous soyons vraiment diplomatiques dès à présent. Ok, je le ferai. Bonjour, grande sœur. Félix, bonjour. Je vais aller voir mon avocat. Je dois l'entendre pour savoir ce qu'on doit faire par la suite. Je crois qu'il va envoyer l'affaire à la cour. Bien, ce qui est logique. Ou peut-être qu'il passera par un arbitre, je ne sais pas. Peu importe, procédons quand même. À ce soir. Salut, chérie. Ok, bien sûr que oui. Il y a un seul moyen d'arrêter ce type. On doit arrêter ce type et l'enfermer quelque part. Ou mieux serait de chercher quelques personnes pour le tuer. Tu sais, comme tu t'es vraiment mis dans cette affaire, je pense que dans les jours qui viennent, ta sœur doit se trouver un avocat pour avoir des bons conseils comme aller au tribunal. Et je pense que cela mettra fin à toutes ces bêtises-là. Ça ne sera pas facile. Ce type est vraiment très influent. Il a beaucoup de connexions. Je connais très bien ce type, je vous dis. Ok, c'est bien. Alors il pense qu'il a beaucoup d'argent pour faire tout ce qu'il veut. C'est ce qu'il pense. Alors moi aussi j'ai assez d'argent pour faire tout ce que je veux. Bien, je crois que ce n'est pas poli que nous soyons debout comme ça. On devrait vraiment parler tranquillement sur ce sujet. Mais je ne pense pas que ce soit propre et nous puissions le faire ici. Trouvons-nous un endroit et parlons en tant que mari et femme. Nous n'avons rien à parler à ce sujet. Je t'ai demandé de signer le divorce, tu as refusé. T'inquiète, tu seras obligé de le faire. J'amène l'affaire à la cour. On verra bien, moi et toi. Tu les es où? Ouvre le portail. It's a Maurice. Ok, ok. J'arrive là bientôt.
C'est quoi le problème? Ta soeur vient d'avoir un accident. Elle est rapidement amenée à l'hôpital. Viens vite, on y va. C'est qui là-bas? Comment vas-tu? J'aimerais voir Monsieur Collins. Monsieur, personne n'est là. Le patron est sorti avec les frères de madame. Ils ont dit que madame a connu un accident. Alors, ils sont partis à l'hôpital d'État, oui. Accident? Oui. Tu as dit hôpital d'État? Oui, hôpital d'État. Merci. Monsieur, tu connais l'endroit? Je le trouverai quand même. J'espère qu'elle ira bien. Vous pouvez en être sûr. Venez dans mon bureau. Ma sœur, tout ira mieux. Ne t'inquiète pas. Rien ne va t'arriver. Tu as déjà survécu au pire. S'il te plaît, essaye d'être aussi forte que ça. Je te rassure que tout ira bien. Monsieur Collins. Oui, docteur. Votre femme a reçu un très grand coup à la tête. Mais son cerveau n'a pas été affecté. Et son corps n'a aucune trace de fracture ou quoi que ce soit. Mais nous avons besoin de sang. Elle a perdu beaucoup de sang. Et autre chose, son groupe sanguin est vraiment rare. Nous n'avons pas assez de temps. Madame, pas vraiment. Je n'en ai pas. Elle est B négatif. Ok. Elle a besoin d'une transfusion avant de se réveiller du coma. Sinon, elle ne va pas se réveiller et nous n'avons pas assez de temps pour ça. Mais je ne vois pas où est le problème. Il faut juste lui donner du sang. Moi, je vais payer. C'est ça le problème. Nous n'avons pas de sang dans notre banque. Je viens d'appeler une collègue et elle a dit qu'elle n'en avait pas. Et la seule personne qui pouvait nous aider, elle n'est pas dans le pays. Oh mon Dieu. Madame, vous savez quoi? Prenez soin d'elle, s'il vous plaît. Ok, laissez-moi aller en ville, je vais chercher partout pour me renseigner si je peux trouver. Ok, d'accord. Pas de problème.
infirmière, excusez-moi. Y a-t-il une femme qui a été emmenée ici il y a quelques heures de cela? Elle a eu un accident. Oui, monsieur, venez. Ok, merci beaucoup. Salut. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Êtes-vous de la famille ou un ami? Elle est ma femme. Et si elle a eu cet accident, c'était à cause d'un simple malentendu. Elle était sortie avec un ami, un jeune homme. Monsieur Collins? Oui, avec son frère Félix. Comme vous pouvez le remarquer, elle est inconsciente. Elle a reçu un très grand coup à la tête et aussi à sa jambe. Elle n'a pas été fracturée. Elle a perdu beaucoup de sang et nous avons besoin d'une transfusion. Nous n'avons que 24 heures pour le faire. Monsieur Philippe et Colin sont sortis pour en chercher. Nous n'avons pas assez de temps. Nous devons le faire le plus tôt possible. Merci, docteur. Je vous en prie. Qu'est-ce que tu fais ici? Réponds-moi! Qu'est-ce que tu es en train de faire ici? Jeune homme, nous sommes dans un hôpital. Vous allez résoudre vos différends plus tard. Collins, vous en avez trouvé? Rien du tout. C'est une mauvaise nouvelle. Le sang est sa seule chance de survie. Et juste en passant, nous avons le même groupe sanguin. Waouh, c'est une bonne nouvelle. Alors, dans ce cas, faisons vite pour l'aider. À une seule condition que je vais vous imposer. Quel genre de condition? Qu'elle revienne vivre dans ma maison en tant que ma femme. Tu veux en profiter, n'est-ce pas? Peu importe. Marché conclu. Oui, docteur, beaucoup de choses se sont passées entre eux. Il veut la récupérer dans sa maison. Mais il ne peut pas y retourner. Elle est enceinte de moi et moi je veux l'épouser. C'est vraiment triste, monsieur Collins. Malheureusement, il est notre seule chance. Si seulement je pouvais trouver du sang auprès de mes amis, on allait l'utiliser. Laisse-moi d'abord aller causer avec lui. Peut-être que je réussirai à les convaincre. Ok. Ok? Collins vient de me raconter toute l'histoire. Et tout cela est arrivé à cause de toi. Si réellement tu l'aimes, sauve-la. Si tu refuses de l'aider et qu'elle meure, tu vas les regretter. Bonjour. S'il te plaît, aide-la. Aide-moi à la sauver. Tu l'avais aidée à recouvrir la vue. Et on a profité pour prendre de l'avantage
sur sa condition, sachant pourtant à qui elle appartenait. Mais mon Dieu, c'est toi qui l'as mise dans cette situation. Tu l'as vraiment maltraitée, tu l'as même trompée. Elle est devenue aveugle quand elle est avec toi. Elle n'était pas née comme ça, aveugle. Il n'y a pas besoin de la combattre parce qu'elle m'a choisi. Et même si elle accepte de te revenir, ce que vous avez eu à partager ne sera plus jamais le même. Je te dis ceci. Pour tous les maux que tu lui as faits, à ta place, je profiterai de cette occasion pour pouvoir vraiment me racheter. À toi de voir. Tu es un garçon vraiment stupide. Tu ne sais même pas comment supplier de la part d'une femme. Garçon stupide. Croyez-vous qu'il va changer son avis? Non. Je ne sais vraiment pas beaucoup. Si c'est toujours Anayo, je dois vraiment savoir. Il a bien dit qu'il va donner son sang. Mais j'ai très peur. Beaucoup de choses se sont passées avec lui. Excusez-moi, docteur. La patiente s'est réveillée, mais elle est en train de convulser. Oh, Seigneur. Docteur, qu'est-ce qui lui arrive? Ne vous inquiétez pas. Elle ira bien. Je suis confuse ici. Ça veut dire que cette femme est mariée à deux hommes? Non, ma chère, tu ne peux pas être confuse. L'homme qui est noir de teint, c'est lui qui était son ex-mari. Et l'autre de teint clair, c'est avec lui qu'elle vit maintenant. Le problème est que le sang qui est compatible, c'est celui de son ex-mari. Mais il ne veut pas du tout donner. Mais pourquoi? Parce que la femme avait déjà demandé le divorce, c'est ça le problème. Je crois que c'est une façon de lui donner la monnaie des singes. Mais t'inquiète, tu peux toujours avoir pitié, ma chère. Ce n'est pas facile qu'il ait pitié parce que, au moment où nous parlons, la femme est déjà enceinte de l'autre monsieur, tu vois un peu, hein? Ah, prions seulement Dieu qu'il ait pitié d'elle. Mais toutefois, ma chérie, moi, je n'ai pas continué mon travail de l'autre côté. Je te laisse. D'accord, bye, bonne année. Que vas-tu dire si elle meurt? Oui, dis-moi. Dis-moi ce que tu vas gagner. Oh, attends, donc tu veux te venger, n'est-ce pas? Donc c'est la vengeance, n'est-ce pas? Parce qu'elle t'a quitté. Tu n'es pas un homme. Parce que si tu étais un homme, tu la sauverais. S'il te plaît. Elle est en train de convulser. Elle souffre vraiment. Cette punition ne suffit-elle pas? Ok. Si tu ne veux pas le faire pour elle, fais-le au moins pour moi. Je paierai même avec ma vie s'il le faut. S'il te plaît. S'il te plaît, mon frère, je t'en prie. Sauve ma sœur. Elle risque de mourir si tu ne la sauves pas. S'il te plaît. Sauve-la. Elle a besoin de toi. Je t'en prie. Tu as soudainement réalisé que nous étions des frères. Oh. C'est bien moi que tu viens d'appeler ton frère. Hein?
Écoute-moi très bien. Je suis un homme friqué. Sache que je suis un homme bourré de cash. Beaucoup, beaucoup d'argent. C'est bien moi, Nayo. Oh, là maintenant, vous êtes en train de me supplier. Vous n'aviez pas encore commencé. Je t'en prie. Tu es dans la meilleure... C'est toi qui es dans la meilleure position pour sauver sa vie. S'il vous plaît, je vous en supplie au nom de Dieu. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je peux tout faire, tout faire. Juste pour toi. S'il vous plaît, on vous en supplie. S'il vous plaît. S'il te plaît. S'il vous plaît, faites quelque chose. S'il vous plaît. Nous sommes en train de le perdre. Nous n'avons plus assez de temps. Je vous en prie, messieurs, sauvez sa vie. Messieurs, s'il vous plaît. S'il te plaît. Emmenez-moi les papiers du divorce, je vais les signer. Ok. Bien, docteur. Nous allons la sauver. Maintenant, vous deux, vous allez m'élever de cette chaise comme un roi. Et toi, viens par ici. Doucement, on va le faire, mais en douceur, s'il vous plaît. Ok. Doucement. Oui, monsieur. Faites-le avec royauté. Oui. Vous devez apprendre à comment supplier les gens. Merci, monsieur. Merci. Surtout, ne venez pas à l'intérieur tous les deux. Alors, docteur, allons-y, dépêchons-nous. Allô? Anayo, comment tu vas? Je vais très bien, et toi? Oui, ça va. Comment tu te portes? Comme ça. Je veux dire, la vie n'est plus du tout la même sans toi à la maison. Mais que puis-je faire? Je tiens le coup. T'inquiète. Dieu t'enverra un autre ange. Il te donnera une seconde chance. Merci beaucoup pour m'avoir sauvé la vie. Je serais morte présentement si tu ne m'étais pas venue en aide. Je suis très content de t'avoir aidé. Et aussi, je prie que tu te rétablisses vite. Et merci d'être là. Ok, merci. Bye. Anayo, tu es un bon homme. Mais tu as laissé les affaires extérieures d'entrer dans ton foyer et les détruire. J'ai un autre foyer maintenant. Le meilleur homme du monde, pour moi-même. Je t'aime. Je t'aime autant.
Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. My life has started, like a broken mirror.